Bonsoir, bonsoir à tous. Partagez le direct. Bonsoir à tous, partagez le direct. Donc, je suis en simultané hein, entre mes deux pages. Je suis mes deux pages. Je suis en simultané sur Gmail officiel et également sur. Sur Gmail officiel et également sur Events. Voilà. Donc, j'ai deux mots à dire à la vendeuse de gélules, comment elle s'appelle déjà, Clarisse Yenga, quelque chose comme ça. J'ai deux mots à dire à la vendeuse de gélules. Donc, merci de bien vouloir partager le direct. Merci ma personne. Donc, merci de bien vouloir partager le direct, déposer le direct un peu partout dans vos groupes. Merci de bien vouloir mettre le direct, envoyer le direct par Messenger à vos contacts Messenger, partager le direct dans des groupes dans lesquels vous êtes abonné et faites le nécessaire pour qu'on puisse lui dire deux mots assez rapidement et puis qu'on passe à autre chose. Voilà, ça va être rapide. Plus tôt vous partagez, mieux c'est. Merci, c'est gentil. Envoyez des cœurs également pour sécuriser les différents directs. Donc, envoyez des cœurs sur Gmail pour sécuriser Gmail et envoyez également des cœurs pour sécuriser le direct sur Event. Parce que je tiens à vous signaler que mes pages sont gravement. Mes pages sont gravement restreintes, comme vous pouvez le constater. Hein, je vis une restriction depuis environ 3 mois sur mes pages, donc c'est assez complexe. Mais bon, ce sont les lois de Meta, donc on n'y peut rien. C'est assez restreint en ce moment. Et puis voilà quoi. Voilà. Donc, j'essaye de positionner ça rapidement. Et puis on va aller très vite. Voilà. Donc, si c'est bon, on peut commencer. Je vous ai expliqué, hein, les pages sont restreintes. Mes deux pages sont restreintes, vraiment. Donc, ça, si vous avez déjà un petit nombre, là, c'est largement suffisant. On va aller très vite et puis je vais vous dire ce que je pense de ce problème assez rapidement. Ma personne, c'est comment, non? Je te vois là-bas, c'est officiel. Merci, c'est gentil. Voilà. Donc, allez, on commence. Hein. On va commencer assez rapidement pour finir rapidement. Donc, je vous dis bonsoir. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de Noël. Donc, j'interviens ici aujourd'hui pour un sujet, un classique hein, qui arrive très régulièrement sur la toile. Ça n'arrive pas que sur notre communauté camerounaise. Sachez que ce type de problème arrive également sur la communauté Céline, merci pour ces étoiles, c'est gentil. Alors, pour ceux qui veulent envoyer les étoiles, c'est sur Patricia Gmail officiel. Hein. Pour ceux qui veulent envoyer les étoiles, c'est là-bas. Merci Céline pour tes étoiles, c'est très gentil de ta part. Donc, je commence à expliquer. Je disais que ce type de problème, ce type de conflit entre les influenceuses qui font des placements de produits, que des commerçantes ou alors des gens qui ont besoin de publicité, des chefs d'entreprise et tout ça, qui contactent les influenceuses ou les influenceurs pour faire des placements de produits. Généralement, malheureusement, que ce soit dans la communauté camerounaise ou dans la communauté ivoirienne, parfois ça finit très mal. On a eu le cas récemment de cas Emmanuel Keïta avec le placement de produits, voilà, de vêtements de la sœur d'une autre influenceuse.
On connaît comment ça a fini. Donc, malheureusement, ce type de problème arrive généralement. Ce n'est pas qu'un problème typique. Ce n'est pas un problème typique à la communauté, au blogging camerounais. Ça arrive aussi chez les autres. Donc, commençons déjà par dire ça, pour ne pas dire que non, ce n'est que chez nous que ça arrive. Ça arrive également chez les autres. Le premier problème qu'il faut expliquer là-dessus, c'est qu'il y a un gros problème de professionnalisme avec nos blogueuses et nos influenceuses. C'est-à-dire que à partir du moment où le problème n'est pas, à partir du moment où on ne professionnalise pas le débat, ça tourne en vrille. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Ça n'a pas été professionnel comme d'habitude et on se retrouve encore dans les mêmes problèmes comme d'habitude. D'Angelo Chou, merci pour tes étoiles. C'est très gentil de ta part. On parle là-dessus sur un problème qu'on a manqué de professionnalisme. C'est fréquent. C'est fréquent. C'est-à-dire qu'on part sur une histoire où vous contactez une influenceuse pour un placement de produit, pour qu'elle puisse vendre vos produits ou qu'elle fasse de la pub. Parce que le rôle d'une influenceuse, c'est ça. Elles font tout ça. Que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok ou que ce soit sur Facebook, leur rôle, c'est le placement de produits. Elles ont une vitrine, elles ont des abonnés, elles ont de la visibilité. Donc, on contacte ce type de personnes, c'est-à-dire les influenceuses, les blogueuses pour le placement de produits. À partir du moment où nous, les Camerounais, on continue à faire tout ça là de façon non professionnelle, c'est-à-dire que de façon amateur, on garde toujours le côté amateur, de on s'arrange entre nous. Le on s'arrange entre nous finit toujours comme c'est fini là. Il ne faut pas que ça nous étonne. Le on s'arrange entre nous là. On fait ça entre nous là. C'est ça qui apporte ce qu'on voit là. C'est ce qui apporte ce qu'on voit là. Bonjour ma Black Beauty, j'espère que tu vas bien. Le on s'arrange entre nous, c'est ce qui apporte ce qui voilà. Et aussi longtemps qu'on ne va pas professionnaliser ça, aussi longtemps qu'on ne va pas prendre cette histoire de contacter les influenceuses pour des placements de produits au sérieux, on finira toujours, c'est-à-dire les mêmes causes produiront exactement les mêmes résultats ou les mêmes effets. C'est pareil, ça reviendra toujours à la même chose. Chaque fois qu'on ne va pas être professionnel, on reviendra toujours dans les mêmes histoires. Ce qui mine la toile camerounaise, on va pas se le cacher, on a des gros problèmes de team. On a des gros problèmes de tribalisme. Quand un problème arrive, on va courir. Depuis 2018, on va courir regarder les tribus. Quelles sont les tribus qui s'affrontent? Qui affronte qui? Qui a un problème avec qui? C'est quoi sa tribu? Quel est son problème? Et là, on aura toujours les mêmes résultats. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va regarder la tribu, chaque fois qu'on va regarder qui fait quoi, on aura toujours les mêmes résultats. Donc, on a deux problèmes. Problème de la tribu, du tribalisme qui reviendra toujours. On va pas faire la langue de bois. Et l'autre problème, le problème du non-professionnalisme. À partir du moment où c'est pas professionnel, ça finit toujours comme ça a fini là. Donc voilà, maintenant j'ai planté le décor. Je vais entrer dans le vif du sujet. On se retrouve avec une dame qui s'appelle, je crois, Clarisse Eyenga, qui est commerçante et qui prétend qu'elle vend ses produits. Je vais parler au conditionnel parce que je ne la connais pas très bien. Je ne la connais même pas du tout. Elle dit qu'elle vend des produits depuis 2014, quelque chose comme ça. Ok, d'accord, c'est bien. Le fait d'être entrepreneur, c'est bien parce que moi, vous savez, sur cette page-ci, je valorise l'entrepreneuriat et je suis pour toutes celles. Je suis pour celles qui se lancent en plus de vos statuts de salarié. Si vous pouvez vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est très bien. Si elle a estimé qu'elle peut vendre des produits amincissants, apparemment des gélules, ok, c'est cool. Valorisons l'entrepreneuriat et mieux encore, valorisons l'entrepreneuriat au féminin. Mais ce que je vais dénoncer ici, c'est non seulement on doit valoriser l'entrepreneuriat au féminin, mais on doit professionnaliser les publicités. De ce qu'on fait dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête de tout faire de façon amateur. Chaque fois qu'on met de l'amateurisme dans ce que nous faisons, vous voyez au niveau de l'entrepreneuriat, ça traîne, ça badine et ça ne va pas quelque part. Ça n'avance pas parce qu'on n'a pas été professionnel. Parce que nous voulons valoriser l'entrepreneuriat au féminin. On veut valoriser les femmes qui entreprennent, les femmes qui font des petits commerces, des petits commerces, les femmes qui travaillent, qui créent leur entreprise, les femmes qui se battent. C'est ça qu'on veut valoriser. Mais chaque fois qu'on veut valoriser ça, il y a un problème. Il y a un problème parce que ces femmes qui se battent,
ne se mettent pas, c'est-à-dire qu'elles se battent pour créer des entreprises, mais elles ne mettent pas, elles mettent toujours le côté amateur en avant, mais elles ne professionnalisent pas les choses. Et quand on ne professionnalise pas les choses, c'est là où on arrive, là on se retrouve au carrefour de si je savais. Voilà. Donc maintenant, on est en face d'une dame qui contacte une influenceuse qui est Loulou Fouja. Voilà. Donc, elle contacte une influenceuse déjà pour sa visibilité. Voilà. Il ne faut pas qu'on se mente. Et on va parler du problème du Cameroun et de l'Europe. Je vais parler de ça là très rapidement. Clarisse Yenga, ma chère sœur camerounaise, commerçante et entrepreneur, Boss Lady. Toi qui vends, toi qui es commerçante. Première des choses, pour une vieille des réseaux sociaux comme moi, la première chose que je vais te dire, avec l'expérience que j'ai ici sur les réseaux sociaux, aucune vendeuse de quel que ce soit le Jansan, que ce soit les produits amincissants, que ce soit les gaines, quoi que ce soit, aucune de nous, personne ne réussit avec la vente mélangée avec les clashs. Ça ne réussit jamais. C'est-à-dire que tu peux prendre ça dans n'importe quel sens. Toute vendeuse qui se mélange avec les clashs, ça ne donne jamais et ça ne réussira jamais. Les autres ont essayé avant, ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné. Et la toile camerounaise a un gros problème. C'est qu'il y a un gros problème de team. Il y a un gros problème de team. Il y a un gros problème de division. Alors, dès que tu viens avec des produits, même si tu viens avec des vêtements, même si tu viens avec des trucs, il faut faire attention. Dès que, si vraiment tu es une boss lady, si vraiment tu es une travailleuse, si vraiment tu es une femme entreprenante, dès que tu viens avec tes produits ici sur la toile, il faut marcher sur les œufs. Il faut marcher sur les œufs et éviter la première chose à éviter, ce sont les clashs. Rien n'a jamais réussi ici. Dès qu'il y a déjà des clashs, dès qu'il y a déjà des éclats de voix, dès qu'il y a déjà des directs, tout, je vais faire ceci, ton produit est en danger. Ce n'est pas des menaces, mais ce sont des faits réels. Ce n'est pas des menaces, mais c'est l'expérience qui nous a montré ça. Ce n'est pas des menaces, mais c'est comme ça ici sur cette toile. Dès qu'il y a clash, c'est-à-dire que dès que tu mélanges ton produit avec le clash, ça part en vrille. Et malheureusement, très souvent, ça finit comme ça. C'est pour ça que tu vois la vente des produits cosmétiques, toutes ces ventes-là, si divisées. Parce que malheureusement, toutes les vendeuses font pratiquement la même chose. Les produits cosmétiques, c'est toujours le même Jansan, c'est toujours le même produit minceur, c'est toujours les gaines, c'est toujours les mèches. C'est toujours la même chose. Et ça, les teams sont tellement divisées que quand tu apportes un nouveau produit, ça va rester toujours dans la même gamme. Si ce n'est pas le Jansan que tu as apporté, c'est les gélules amincissantes qui en a déjà partout versé. Tu ne peux pas trouver une fille camerounaise qui apporte, je ne sais pas quoi, qui apporte quel est un produit qui est même assez différent, je ne sais pas. Des guirlandes pour Noël, par exemple. Non. Elle va toujours apporter soit le Jansan, soit les produits amincissants, soit les gaines. Le thé, c'est les mêmes produits, c'est les mêmes problèmes. Ça apporte toujours les mêmes problèmes. Ça dit que lorsqu'on est commerçante ici sur les réseaux sociaux, ça veut dire que tu as déjà choisi de marcher sur les œufs. Alors, on va planter le décor. Donc, tu arrives donc sur les réseaux sociaux et tu contactes Tata Lolo parce que selon toi, elle avait déjà fait un direct. Elle avait déjà fait un direct où elle parlait des femmes, des militaires, voilà, selon toi. Donc, c'est comme ça que tu la recontactes après. Parce qu'après le direct qu'elle a parlé des femmes, des militaires et tout ça, toi, tu la recontactes, ok. Mais si tu la recontactes, il faut qu'on soit clair, chère boss lady, entreprenante comme moi. Comment veux-tu que je te défende? Si tu l'as contactée, c'est parce que tu as déjà constaté son aura. Tu as vu son aura. Tu as vu sa visibilité pendant qu'elle t'a défendu. Elle a défendu les femmes, je ne sais pas, des militaires ou quoi que ce soit. Donc, tu as compris que c'est celle qu'il te faut. Parce que maintenant, on va entrer dans le vif du sujet par rapport au Cameroun. Parce qu'on est en train de salir Tata Lolo en disant que wow, tu es à l'étranger, tu es de la diaspora, mais tu salis, tu escroques une commerçante qui est au pays. Entrons un peu dans le vif du sujet, ma chère Clarisse et Inga. Boss Lady, femme entreprenante, comment puis-je te défendre? Parce que si on veut parler de Tata Lolo qui est dans la diaspora, mais la question que je vais te poser, tu veux me faire croire
que tu n'as pas, tu n'avais pas des blogueuses et des influenceuses au Cameroun que toi aussi tu pouvais contacter? Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu as contacté Tata Lolo si ce n'était pas celle qu'il te fallait pour vendre justement tes produits? Dans le cas contraire, moi je vais te citer les influenceuses. Je vais te citer les influenceuses. On va commencer par exemple par Poupi. Poupi est au Cameroun, Clarisse Valérie. Clarisse Eyenga. Clarisse Eyenga, Poupi est une influenceuse, elle est au Cameroun. Pourquoi tu ne l'as pas contactée pour tes gélules? Muriel Blanche, elle est au Cameroun, elle est influenceuse. Pourquoi tu ne l'as pas contactée pour tes produits? Nathalie Kwa est influenceuse, elle est au Cameroun. Pourquoi tu ne l'as pas contactée pour tes produits? Coco Emilia, qui représente la marque Tanguy, qui est gérie de la marque Tanguy, on a vu récemment, elle est au Cameroun. Pourquoi tu ne l'as pas contactée pour tes produits? Donc, si tu as contacté Tata Lolo pour vendre tes produits, ça prouve que toi, tu as choisi Tata Lolo. Donc, ça veut dire que tu as confiance à Tata Lolo. Il ne faut pas qu'on commence à dire que non, Tata Lolo est dans la diaspora. Elle a escroqué une fille au pays, mais la fille au pays aussi, elle a des grandes influenceuses. Quand je comptabilise le nombre de toutes ces influenceuses-là qui sont au pays, que tu aurais pu contacter, allons au masculin, s'il te plaît. Mais ma chérie, Steve Fa est là. Il a sa télé qui est Tara Plus. Steve Fa fait des placements de produits. Mais si tu es au Cameroun, pourquoi tu n'as pas contacté Steve Fa, par exemple? Dans ces 3 minutes du peuple, comme tu peux le constater, il fait des placements de produits. Pourquoi ton dévolu est tombé sur Tata Lolo? Parce que tu as constaté que Tata Lolo a la niaque. Parce que tu as fait confiance à Tata Lolo. Parce que tu as estimé que Tata Lolo, c'était elle qui pouvait faire le placement. Parce que quand tu as commencé, tu as dit ceci. Tu as dit, chère sœur Clarisse Iyenga, tu as dit, je voulais qu'elle me fasse un post sur sa page. Mais ma chère sœur Clarisse Iyenga, le même post, tu pouvais demander le même post à Steve Fa, qui tape dans le million d'abonnés. Steve Fa a dépassé 1 million d'abonnés. Il est influenceur, pourquoi tu ne l'as pas contacté? Tu as choisi Tata Lolo. Tu as choisi Tata Lolo. Ouais. Tu as choisi les aboyements de Tata Lolo. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, j'entends ci et là. Oh, elle est de la diaspora. Oh, les filles de la diaspora ne valent rien. Oh, les blogueuses de la diaspora ne valent rien. Comment une blogueuse de la diaspora peut escroquer une petite fille, une commerçante au Cameroun? Really? Mais la commerçante du Cameroun ne doit pas faire comme si elle n'a pas vu les influenceurs. Les influenceurs du Cameroun que je viens de citer là. Que ce soit Nathalie Kwa, que ce soit Coco Emilia, que ce soit Poupi, que ce soit Muriel Blanche, que ce soit Steve Fa, ce sont des influenceurs qui tapent tous dans plus d'un million d'abonnés. Tata Lolo n'a pas le million d'abonnés. Je ne sais pas si elle a 500 000 abonnés. Sur sa nouvelle page Tata Lolo, peut-être qu'elle a 50 000 abonnés. Tata Lolo TV, sur sa web TV. Mais tu as laissé ceux qui ont le million d'abonnés et qui sont payés à côté de toi comme toi. Tu as choisi Tata Lolo. La deuxième question que je vais te poser, chère sœur Boss Lady, Clarisse Iyenga, le Cameroun là, si tu fais des produits minceurs, attends, au niveau de l'obésité, il y a les obèses au Cameroun, il y a des filles qui ont du poids au Cameroun, il y a des filles qui aimeraient bien maigrir aussi également au Cameroun, donc tu n'avais pas besoin de jeter ton dévolu sur une influenceuse de la diaspora, pour qu'elle vende ça ici seulement dans la communauté, dans la diaspora. Donc, ça veut dire que tu aurais pu également faire maigrir celles qui sont au Cameroun. Pourquoi celles qui sont au Cameroun, elles ne peuvent pas aussi maigrir? Elles aussi, elles peuvent aussi maigrir. La femme camerounaise qui vit au pays est 10 fois plus ronde que nous qui sommes ici en diaspora. Donc, ça prouve qu'elles aussi, ça veut dire qu'elles aussi, elles ont besoin de tes produits. Donc, tu aurais pu prendre une blogueuse et influenceuse du Cameroun qui ont plus d'abonnés. Elles ont toutes plus d'un million d'abonnés. Donc, tu aurais pu prendre celles-là aussi qui sont au Cameroun et tu aurais pu vendre tes produits aussi qui sont au Cameroun parce que le Cameroun a beaucoup de personnes qui aimeraient bien bénéficier de tes produits amincissants. Tu as choisi Tata Lolo. Tu as choisi Tata Lolo. Vonvon, je vais arriver sur celle-là. Donc, si tu as choisi Tata Lolo, ça veut dire que... Si tu as choisi Tata Lolo, ça veut dire que tu as cru à Tata Lolo. Tu as cru à son aura. Tu as cru à ses aboyements. Voilà là où on se retrouve maintenant. C'est dommage qu'on écrive aussi que ça et là, ouais...
une blogueuse de la diaspora fait ci ou ça. Donc, entrons maintenant dans le vif du sujet. Là où je pleure le professionnalisme, là où j'ai envie, j'ai la rage, et Tata Lolo le sait, là où j'ai envie de clasher même Tata Lolo, et je pense que je vais le faire, c'est que Tata Lolo a fait les mêmes bêtises que EK nous a raconté là, il y a 3-4 jours. À un moment donné, on dit que les gens snobent, mais snober me l'est. Tata Lolo, snober me l'est. Faites, sentez-vous, faites le nyanga. À partir de maintenant, commencez à faire le nyanga. Parce que si tu ne fais pas le nyanga, voilà ce qui arrive. Parce que tu as dit là-bas chez Amer Kamer que tu as donné 100 000 francs CFA pour un poste. Mais je veux te poser une question, chère sœur. Eyinga, Clarisse, tu as donné 100 000 francs à Tata Lolo, selon toi, pour faire un poste de tes jolies pour la publicité. La question que je te pose, de toi à moi, est-ce que Poupi, qui est au Cameroun, pouvait prendre 100 000 francs? Est-ce que Steve Fa, qui est au Cameroun, pouvait prendre 100 000 francs pour faire la publicité? Ils ont des millions d'abonnés. Mais est-ce que Steve Fa peut te prendre 100 000 francs? Il ne peut pas. Si tu veux faire la publicité sur toute la place de Steve Fa, tu vas taper. C'est-à-dire qui parle même de tes gélules à 3 minutes du peuple. Mais ma chérie, si tu es dans les 500 000 francs, qui? C'est-à-dire que est-ce que Nathalie quoi peut te prendre 100 000 francs pour un poste? Mais Tata Lolo l'a fait. Elle a pris des 100 000 francs pour un poste. Tata Lolo, tu vas commencer même par force à te vendre cher. Même par force, tu vas commencer à te vendre cher. Voilà le résultat aujourd'hui. Parce que si tu l'avais snobé, elle ne serait pas là-dessus. Parce que si c'était comme ça, pourquoi dans ce cas-là, elle ne peut pas aller voir Muriel Blanche? Est-ce que vous pensez que Muriel Blanche, qui est aussi influenceuse, avec son million d'abonnés, ses millions d'abonnés, est-ce que Muriel Blanche peut prendre 100 000? Elle va même d'abord passer par où? Elle va passer par où pour voir Muriel Blanche, pour lui demander que je fais la publicité des gélules? Elles sont au pays, ma belle. Au pays aussi, on a besoin des gélules. On a aussi besoin de maigrir. Mais Tata Lolo a accepté. Elle a accepté le partenariat. Elle a accepté de faire la pub pour 100 000 francs CFA. Ouais. On est assis par terre. Et puis, on est assis par terre comme ça aujourd'hui. Donc, on accélère. Supposons que Tata Lolo a accepté les fameux 100 000 francs CFA. OK? Elle a fait le poste de la publicité. Après, maintenant, elle te propose maintenant d'entrer dans le partenariat, dans la vente. Vous entrez dans la vente et si je comprends bien, lorsque vous commencez la vente, il n'y a pas de contrat. Mais comment vous voulez qu'on évolue dans cette communauté quand nous toutes, on veut rester amateurs? Personne ne veut professionnaliser quoi que ce soit. Vous voulez toujours rester dans l'informel. Rien, donc nous qui payons des impôts, nous qui créons des entreprises, nous sommes bêtes. Tu ne fais déjà pas de contrat parce que ça veut dire qu'au départ, tu n'avais pas fait de contrat. Quand tu as commencé à distribuer, quand Tata Lolo a commencé à envoyer les produits, j'ai d'abord envoyé tel nombre, après j'ai envoyé tel nombre, après j'ai envoyé ceci. Quand vous avez commencé ça, vous n'avez pas fait de contrat. Première erreur. Et je ne parle pas seulement à toi, à vous toutes les boss ladies. Arrêtez un peu cette histoire de toujours faire des trucs sans contrat, sans rien du tout. Tout le monde se brûle les ailes de la même façon ici-là. Mais vous continuez à faire les mêmes erreurs. Pourquoi vous faites ça sans contrat? Au départ, il n'y avait pas de contrat. Mais la question qu'on va vous poser, c'est pourquoi? Quand on t'entend, ok, maintenant on accélère. Ce n'est pas seulement pour toi, hein, ou c'est Clarisse et Inga. C'est pour toutes les boss ladies, toutes les femmes entreprenantes. Qui veulent se lancer dans les, qu'est-ce que vous appelez là, les commerces en ligne et tout ça là et tout. Vous contactez les blogueuses, ok. Faites les contrats avec les blogueuses. Ce n'est pas interdit. Au contraire, c'est recommandé. C'est même obligatoire. Faites les contrats. Tu te perds même dans tes chiffres. Dans tes chiffres, dans tes explications, que ce soit ton direct ou bien là-bas, ce que tu as expliqué chez Amé Kamé, mais ma puce, tu te perds même dans tes chiffres. On continue. Maintenant, la vente a commencé.
Là où tu as fait encore une erreur grave dans le commerce, tu prétends que tu ne connais pas à combien Tata Lolo vendait les produits. C'est ta partenaire. Tu lui donnes les produits partent en France, élan, comme ça là. Et tu dis que tu ne connaissais pas. C'est quoi ce manque de professionnalisme? Vous voulez faire le commerce, vous voulez vendre des choses, mais vous prenez le. C'est-à-dire que vous prenez je ne sais pas comment on appelle ça. Le manque de. Comment tu viens nous dire sur les réseaux sociaux que toi, tu ne savais pas, c'est ta marchandise. C'est quoi ce manque d'intérêt? C'est quoi? Comment tu peux dire que moi, je ne connaissais pas? Je livrais seulement. Je ne savais même pas à combien elle vendait. Ma chérie, sur ça, là, on va te défendre comment? Qu'est-ce qui est professionnel dans ça, ma puce? Ça vous gêne quoi d'entrer dans quelque chose de professionnel? Accélérons un peu. Tu dis que tu ne savais même pas à combien elle vendait. Tcha-tcha, c'est ma plus, tu livrais. On continue. Après, tu disais que oui, l'argent avait du mal à arriver, l'argent ne venait pas et tout, et patati patata. Ah, laissons même le côté où l'argent ne venait pas. Où Tata Lolo ne te donnait pas l'argent régulièrement et tout, il fallait chaque fois que tu appelles et tout ça là. Il fallait chaque fois que tu appelles. Mais si tu avais fait un contrat, on aurait dit qu'elle n'a pas respecté les clauses du contrat, ma puce. Tu n'as pas fait le contrat, justement. Et comme je suis en train de parler là, une autre qui ne fera pas le contrat viendra aussi nous apporter son dossier ici là, sans contrat. Sans rien du tout, de façon amateur, rien. Mais il faudra qu'on fasse aussi des directs, tu sais pourquoi? Est-ce que vous avez établi un contrat selon lequel chaque fois que tu vends 10 gélules, tu m'envoies mon argent. Chaque fois que tu vends 20 paquets, tu m'envoies. Non! Et c'est sur Facebook, quand tu viens la salir, que tu viens dire que, il faudrait toujours que je l'appelle. Vraiment, chaque fois que je l'appelais, elle dit, le commerce, ça ne se fait pas comme ça. Mettons un peu de professionnalisme dans ce que nous faisons et puis on va avancer. Si ce n'est jamais professionnel, on va jamais avancer, girl. Jamais on pourra avancer. Donc maintenant, je traverse les étapes et j'arrive au niveau où tu dis que tu as vu Tata Lolo. Ah, quand tu la vois donc, tu lui dis que. Non, elle te dit qu'elle veut l'exclusivité et que vous signez donc un contrat d'exclusivité. Entre parenthèses. Je n'ai pas vu le contrat d'exclusivité que tu as signé avec Tata Lolo. C'est juste une parenthèse, juste par rapport à ce contrat d'exclusivité. Je ne l'ai pas vu. Parce que si je vois ce contrat, sache que Tata Lolo peut se retourner contre toi si une autre personne vend ces mêmes gélules-là. C'est juste comme ça, hein. Ce n'est pas des menaces. Mais si tu as signé quelque chose d'exclusivité avec elle, il faut qu'on relise bien le contrat d'exclusivité-là. Parce qu'elle attaquera l'autre personne qui va prendre les gélules là avant. Elle a le droit d'attaquer parce que là, vous avez signé. Et si c'est elle qui a la distribution exclusive de tes gélules et que tu as signé le contrat d'exclusivité, là où tu es venu dans les clashs là, dans le pays de gâté-gâté, c'est gâté-gâté qui est roi. C'est juste une parenthèse. C'est juste pour te dire que dans exclusivité là, il y a exclusif. Voilà. Dans gâté-gâté là, c'est gâté-gâté qui est roi. Bon. Laissons, c'était juste une parenthèse, hein, sur l'exclusivité. Donc, tu dis que Tata Lolo t'a demandé l'exclusivité de tes produits et que vous avez signé un contrat. OK. Donc, si vous avez signé un contrat d'exclusivité, ce qui m'a gêné un peu dans ce paragraphe-là, c'est que tu dis que Tata Lolo avait déjà 70 sachets en France et que toi, tu as emballé encore 94 ou 80, 90 produits. Ou 84, quelque chose comme ça. Donc 80 quelque chose pour envoyer encore. La question que je vais te poser, dans le contrat d'exclusivité, quand tu signais le contrat, pourquoi dans ton contrat d'exclusivité, tu n'as pas mis que à partir de maintenant, Tata Lolo, ce que je signe maintenant, c'est que pour que mes produits partent en France, virgule, tu me payes mes produits avant qu'ils ne montent. Puisque toi-même, Clarisse et Yenga, toi-même, tu disais que les produits qui étaient déjà partis avant que Tata Lolo n'arrive, Tata Lolo te donnait l'argent quand toi, tu demandais. Donc, si cette situation te gênait vraiment et que tu n'avais pas tes produits, qu'elle n'était pas régulière quand elle te donnait ton argent, dans ce cas-là, lorsque tu l'as vue et que tu as signé un contrat d'exclusivité avec elle, tu aurais pu, dans ce contrat-là, si ça te gênait vraiment qu'elle te donnait l'argent quand elle voulait, tu aurais pu, dans ce contrat-là, lui dire, OK. Je signe ce contrat d'exclusivité avec toi, mais dans ce cas,
les 80, je sais pas, 94 produits qui doivent partir, 90, donne-moi donc l'argent des 90. Comme tu es ma distributrice exclusive, comme ça, ça monte. Et comme ça, tu ne vas pas venir nous dire ici, là, sur les réseaux sociaux que non, j'ai demandé l'argent. Après, j'ai demandé l'argent. Oui, tata Lola, envoie-moi. Non! Manque de professionnalisme, ma soeur. C'est quoi cette histoire bancale? Manque de professionnalisme. Tu nous donnes l'exclusivité. Vous faites un contrat. Mais tu l'avais déjà testé avant. Toi, tu viens nous dire aujourd'hui que oh, l'argent ne venait pas tout le temps. Mais si l'argent ne venait pas tout le temps, dans le contrat d'exclusivité, tu aurais pu dire que dans ce cas-là, virgule, pour que mes gelules partent, donne-moi l'argent des 90. Elle était au pays, elle pouvait te donner l'argent des 90. Tu emballes encore les 90, tu envoies là-bas. Là où toi-même, tu prétends que l'argent ne sort pas tous les jours, toi, tu envoies là-bas. Et tu dis qu'il y avait déjà 70 là-bas. Mais dans les 70 qu'elle avait déjà, plus les 90, le but c'est quoi en fait? L'objectif c'est quoi? Mais ma chérie, je vais te dire un truc. Et Yenga, Clarisse et Yenga, si tu as envoyé, tu as signé un contrat d'exclusivité avec Tata Lolo, alors que tu avais déjà commencé la vente avec elle. Si en plus des 70 qu'elle avait déjà en France, tu as encore emballé 90 sans prendre 5 francs ou bien 94, je ne sais plus. Tu as encore emballé et puis tu as envoyé. Et il y a un problème. Ça veut dire que tu as fait confiance à Tata Lolo. Ça veut dire que tu as fait confiance à Tata Lolo. Ça veut dire que tu as fait confiance à sa capacité de vendre tes produits. Ma soeur, tu as fait confiance à Tata Lolo, à sa capacité de vendre, vendre tes produits. Sinon, si tu n'avais pas fait confiance, tu allais lui dire que, girl, il y a déjà 70 là-bas avec toi. En plus de ça, tu veux l'exclusivité. Mais dans ce cas, les 90, aucun produit ne monte plus. Tu as fait confiance à Tata Lolo. Mais si tu as fait confiance à Tata Lolo, mais dans ce cas, où est le problème? Pourquoi en arriver au clash en ce moment? Donc maintenant, on va calculer. On va calculer là où le bas blesse. Parce que quand tu pars chez Amer Kamer, excusez-moi, je vais prendre un peu de calculatrice là, pour voir, minimum. Attendez, on va entrer dans les calculs. Si je fais 90, j'ai entendu 90, dites-moi encore combien elle a envoyé. J'ai entendu aussi 94, quelque chose comme ça. J'ai entendu 70. Donc, je fais 90, hein, plus 70. D'accord. On est à 160. Il y a une fois là, elle avait envoyé combien? S'il vous plaît, donnez-moi les chiffres qu'elle avait envoyé là. 80 ou quelque chose comme ça, qui restait 80 ou quelque chose. S'il vous plaît, commentez en m'écrivant les chiffres, les différents chiffres qu'elle a envoyés là. Qu'on essaie un peu de calculer. Moi, j'ai 90 plus 70. Elle avait envoyé encore combien? J'attends vos commentaires, s'il vous plaît. Elle avait envoyé encore combien? Donc, si on fait même ça, seulement ça, plus encore, elle avait dit encore combien là? 90. Il y avait 90. Attends, je vais monter un peu les... Ah, il y avait 94. Et il y a 94. Donc, il y a 94. Il y a 70. OK. Il y a 94. Il y a 70. Donc, on est... Laissons même comme ça. On est déjà à 254. Supposons qu'on est à 254. Maintenant, multiplions 254 fois, mettons à 22 000, par exemple. Mettons un peu à 22 000. 22 000. On se retrouve à 5 588 000. Donc, prenons seulement les quelques chiffres qu'elle nous a donnés. S'il vous plaît, on prend les calculatrices. Prenons seulement les quelques chiffres qu'elle nous a donnés. Quand je prends 90, 70 et 94 seulement, nous sommes déjà à 5 588 000 qu'elle a reçu, que Tata Lolo lui a donné cet argent. Mais si elle part chez Amer Kamer, Amer Kamer lui dit, de là où on est là, Tata Lolo te doit combien? Dans les 5 588 000, elle estime qu'elle n'a pas reçu 254 000. On est d'accord? Donc, dans 5 millions, donc supposons que si on prend seulement les 70, plus les 94, plus les 80, je ne sais pas quoi, on se retrouve peut-être à 254.
T'as 250K qu'on multiplie par 22 000 environ. On ne connaît pas très bien les chiffres. Ne serait-ce que ça, on est déjà à 5 588 000. Elle clash Tata Lolo parce qu'elle n'a pas reçu 254 000 francs CFA. Donc, durant une année, durant peut-être, on va dire une année et demie ou deux, je ne sais pas, peut-être qu'on va dire que ce contrat-là a duré une année. Donc, durant une année, au bas mot, laissons même les 588 là, au bas mot, Tata Lolo, selon toi, t'as donc donné minimum 5 millions. Elle t'a vendu pour minimum 5 millions. Au bas mot, on a calculé, minimum. Parce que Tata Lolo est dans les 8 millions, je t'ai fait vendre. Laissons même 8, Tata Lolo, restons à 5. Restons à 5. Et là, si tu as reçu 5 millions de Tata Lolo, la question que je vais te poser, c'est que si tu n'as pas reçu 254, bah, c'est sur 254 000 francs CFA. Pour quelqu'un qui a réussi, une influenceuse qui a réussi à te faire vendre ta marchandise de 5 millions, vous arrivez au clash. Really? Mais nous tous qui sommes assis là, combien de filles qui sont au Cameroun, qui vendent les produits, aimeraient aussi faire le chiffre d'affaires, aimeraient aussi faire le chiffre d'affaires de 5 millions là? C'est facile. Est-ce que c'est facile qu'une influenceuse, d'abord même, tu vas d'abord les voir où? Vous allez d'abord les voir où, ces influenceuses là? C'est Tata Lolo qui se vend moins cher. Jusqu'à, elle s'est battue dans ses aboyements. Elle a aboyé ici là. Jusqu'à ce qu'elle t'a vendu quelque chose. Il y a des filles qui vendent, comment vous appelez ça, le Njansan. Les produits Njansan là. Qui n'arrivent pas à trouver quelqu'un qui va te faire la publicité pour que tu vends même ton Njansan de 5 millions. 5 millions. Mais laissons même les 8 millions que Tata dit que Tata Lolo dit que j'ai vendu. Même si elle avait seulement vendu pour 5 millions. Clarisse Yenga. Si tes 254 000 ne sont pas encore arrivés, il y a clash sur ça. Il y a clash sur ça là. Ça se gâte comme ça là. Et puis c'est le nom de Tata Lolo qui est gâté comme ça là. Hey. Nous sommes tous des Camerounais. Nous sommes toutes des Camerounaises. Et comme je l'ai toujours dit, je valorise l'entrepreneuriat. Je valorise les boss ladies, celles qui se battent. Mais Clarisse et Yenga, je veux te poser une question. Moi-même, en tant que boss lady, j'ai une question à te poser. Si c'est comme ça là, j'ai une question à te poser. Si c'est comme ça là, les petites filles qui sont donc au Cameroun, qui vendent le Njansan, qui ont les petites créations comme ça, qu'elles veulent aussi se débrouiller, elles veulent vendre le Njansan. Quand elles rêvent de faire même un chiffre d'affaires, de trouver une influenceuse qui va te faire un chiffre d'affaires même de 2 millions, elles ne trouvent pas. Quand les influenceuses vont commencer aussi à refuser, quand Tata Lolo va commencer aussi à snober, commencer aussi à faire le Nyanga, bon, les filles qui sont au pays là, elles vont trouver où? Puisque vos influenceuses qui sont au pays, vous ne pouvez pas les approcher. Disons-nous des vérités vivantes. Tu ne peux pas approcher Muriel Blanche. Toi, tu peux voir Nathalie quoi pour dire à Nathalie quoi que, s'il te plaît, je vends les gélules amincissantes, fais-moi aussi la publicité. Ou Nathalie quoi venir se mettre sur ses réseaux sociaux et aboyer pour toi. Poupie qui est là, elle est influenceuse. Poupie peut te regarder. Tu peux tendre 100 000 francs à Poupie. Qu'on se dise des vérités vivantes. J'aime l'entrepreneuriat. Je valorise toutes les jeunes filles qui sont au Cameroun, qui veulent se battre. Mais comment se fait-il que les autres jeunes filles là, elles rêvent d'avoir au moins une influenceuse qui va venir aboyer pour elles. Ouh, 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 les gélules, ça fait maigrir. Ouh, ouh, ouh. Elles ne trouvent pas. Parce qu'il n'y a pas la visibilité. La visibilité est dure. Les influenceuses, là, c'est dur d'avoir des influenceuses. C'est difficile. Maman, pourquoi en arriver au clash? 254 000. Donc, on va accélérer. Ah, c'est Tata Lolo. Donc, on va accélérer, on va avancer dans cette histoire. Donc, maintenant, après maintenant, quand on dit que... Choug, merci pour tes étoiles. Donc, maintenant, essayons un peu d'avancer un peu dans 250. Moi, je dis, ici sur les réseaux sociaux, on va toujours terminer de la même façon. On va toujours finir de la même façon. Attends, Tata Lolo,
Tata Lolo, tu veux entrer dans mon direct? Il faut entrer. Il faut aller sur Event. Ne va pas sur officiel. Va sur l'autre là-bas, Event, là-bas en bas. Je suis en direct sur Event. Envoie la demande. Tata Lolo, renvoie ta demande. Tata Lolo, renvoie ta demande. Je veux voir si ça va passer. Donc, j'étais en train de dire. Où c'est Clarisse et Yenga, ou je ne sais pas. Nous sommes toutes des sœurs camerounaises. Nous sommes toutes des sœurs camerounaises. Et maintenant, si tu as un problème, on n'est pas bêtes ici là sur les réseaux sociaux. Il y a des moyens de résoudre des problèmes. Tu dis que Tata Lolo est impulsive. Mais la première fois, avant qu'elle ne commence à vendre tes gélules, non, avant qu'elle ne signe le contrat que toi tu la vois au Cameroun, tu avais déjà constaté qu'elle était. Elle est toujours, comme tu la vois aboyer là, elle ne mord pas. Elle ne mord pas, elle ne peut rien te faire. Elle fait elle ne mord pas. Ce n'est pas une fille qui mord. Nous tous, on connaît ça. Si tu as des difficultés avec Tata Lolo, il y a sa soeur qui est blogueuse, qui rêve bien et qui fait des très bons directs, qui pouvait faire la conciliation. Quand tu as vu Rêve bien, tu peux dire Rêve bien, bonjour. Tu es allé là-bas chez Amek Amer. Tu as dit à Amek Amer que non, Rêve bien, je n'ai pas eu de problème d'argent avec Rêve bien. Je n'ai pas eu de problème d'argent avec l'autre. Donc, quand tu es allé voir Rêve Mbiaye, nous sommes des Africaines. Nous sommes des sœurs camerounaises. Tu peux dire à Rêve Mbiaye que, ouais, Rêve, j'ai des problèmes. Mon argent n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà ce qui se passe et tout. Que Rêve trouve une solution. C'est la sœur de Tata Lolo. Elle ici, elle fait des directs très constructifs. Elle a la jugeote. Elle aurait pu trouver un compromis. J'avais l'impression que tu avais déjà la volonté. Tu avais déjà la volonté d'aller dans le clash, d'aller dans la confrontation et de salir, d'humilier, de lyncher Tata Lolo. 254 000. Sur quelqu'un qui t'a fait un chiffre d'affaires. Même moi, là où je suis assise, là, je cherche. Combien de filles qui sont là? Moi, même si je lance les produits ici, là, demain, nous tous, on cherche quelqu'un qui va faire aboyer pour tes produits. Nous tous, on aime l'aboyement. Elle va se placer là, elle va aboyer. Ici, il y a l'hiver, ma chérie. Donc, même pour aller poster tes produits là, on met le manteau. Même, déjà, il faut convaincre. Peut-être que tu n'as pas compris le travail de Tata Lolo. Il faut convaincre les gens d'acheter tes produits. Il faut aboyer dans les directs. Il faut faire pause publicitaire. Je vends les produits, il y a les produits, venez maigrir, venez faire ceci, venez faire ça. Elle aboie, elle crie, elle donne de l'énergie. Elle prend tes produits, elle dispatche partout, elle donne la part de rêve, vend. L'autre d'Aubervilliers vend, le Lomaya vend, tel de Paris vend. Elle dispatche tes produits. Après, chacune d'elles doit courir en plein hiver, mettre le manteau d'hiver, aller poster. Parfois, quand tu postes, ça n'arrive pas, l'adresse n'est pas la bonne, et ceci, cela, l'adresse n'a pas marché. C'est ton travail. Ça n'a rien à voir avec les autres influenceuses qui vont prendre ton produit, juste prendre le produit, faire un poste comme ça. Il y a des influenceuses ici là qui vont prendre ton produit, faire le poste comme ça, juste le poste de ton produit, évidemment, 1000 euros. 1000 euros, si tu ne veux pas, tu laisses. Elles ne se prennent pas pour 5 francs. Elle dit que juste le poste comme ça sur sa page, 1000 euros. Les influenceuses, elles sont là. Elles sont là. Le poste sur leur page comme ça, c'est 2000 euros. Si tu ne veux pas, tu laisses. Si tu ne veux pas, tu laisses. Elles ne se prennent pas pour 5 francs. C'est Tata Lolo qu'il faut clasher. Parce que c'est Tata Lolo qui ne connaît pas sa valeur. C'est elle qui s'est vendue à 2 francs 6 sous. Dans un boyement, aboyer, convaincre les femmes, courir, mettre le manteau d'hiver, courir à la poste, emballer le produit. C'est du travail. C'est du travail. Mais moi qui suis là, je ne veux pas venir aboyer pour le produit de quelqu'un. Je ne peux pas. Je ne veux pas aboyer. Pour gagner combien? Je ne vais pas aboyer pour le produit de quelqu'un. Parce qu'il faut faire les directs. Hein? Il faut faire les directs durant tes directs. Même Lolo Beauté que vous voyez là, Lolo Beauté là, c'est facile. Qui elle-même la boit pour ses propres produits. Vous pensez que là où Lolo Beauté est arrivée là, c'est facile? Plein de blogueuses, mais elles-mêmes, qui ont voulu lancer elles-mêmes leurs propres produits. Vous avez vu que ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'elles-mêmes vendent leurs produits, ça les a dépassés. Disons-nous les vérités vivantes. Il y a des blogueuses ici, là, même dans la communauté. Elles ont toutes lancé le Njansan. Ça passe, ça ne passe pas. Ça les a dépassées. Parce qu'elles ont vu que Lolo Beauté fait. Même ce que Lolo Beauté fait là, c'est facile. Pause publicitaire de Lolo Beauté là est facile. C'est un travail.
Après tout ça, il faut aller poster ses produits. Il faut faire le service après-vente. Il faut répondre aux clientes. Les clientes que le Jansa n'a pas marché. Les clientes qui n'ont pas maigri. Les clientes ceci, il faut répondre aux clientes. C'est du travail. Il ne faut pas qu'on se mente. Et tout ça, là, c'est dû au fait que nous, les Africains, on n'a pas professionnalisé notre blog. On n'a pas professionnalisé notre travail. Les contrats avec Lolo, Tata Lolo, tu n'as pas fait. Tout a été fait comme ça, là, non professionnel. Voilà ce qui, les mêmes causes posées, les mêmes effets, ça crée encore les mêmes résultats. Qui n'aimerait pas avoir un chiffre d'affaires de 5 millions? Tu veux qu'on teste ici là, le nombre de filles ici, là, qui sont au pays, qui créent leurs petites, même celles qui font les caramels, même celles qui vendent, je ne sais pas quoi, le tapioca attaché. Elle aimerait bien aussi que Tata Lolo crie que ouh, 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 il y a le tapioca, ouh, 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 il y a les caramels, il y a les croquettes, il y a les caramels, il y a les croquettes, ça vient du pays. Mais là, si Tata Lolo aboie, c'est clair qu'elle va vendre, même les caramels pour 5 millions. Il y a les filles au pays qui vendent les caramels, qui attachent les caramels comme ça là, qui attachent les croquettes. Elles aimeraient aussi expédier leurs croquettes ici là pour que Tata Lolo aboie. Les croquettes, ça vient du pays, c'est bien fait. Et tout, pose publicité. Elle sait que quand Tata Lolo va aboyer, les gens vont acheter. Elle va renvoyer les 5 millions. Marc a vendu jusqu'à 5 millions. Le clash est arrivé pour 254 000 francs CFA. Ma chère soeur entrepreneur, la suite maintenant, c'est quoi? C'est que ça va bloquer. Après, les gens vont se dire, les blogueuses camerounaises, les blogueuses Boakata, c'est-à-dire que dans la clique des Boakata, elles n'évoluent pas. Vous attendez l'évolution? Vous voulez qu'elles évoluent ou comment? Elles vont évoluer comment? Dès qu'une commence à évoluer, bim! Hier que Tata Lolo a recommencé ses émissions d'accueil ouvert, là. C'est bizarre, vous avez un problème sur cette émission-là. Que Tata Lolo a commencé ses émissions à cœur ouvert. À peine elle a commencé, elle a trimé, elle a rampé. Il faut à peine qu'elle commence. À peine elle commence, il y a déjà un scandale. Et je vois sur toute la toile doit se réjouir. Mais vous vous réjouissez pour qui? Quand le blogging camerounais ne va pas fonctionner, vous pensez que vous faites du mal à qui? Non, mais franchement, je vois les gens être heureux. Je vois les gens être, oh, Lolo volait. Les gens sont heureux de salir Lolo. Les gens sont heureux. Là, vous allez dire les blogueuses camerounaises, vous n'avez pas honte. Honte à vous. Mais honte à vous. Honte à vous, vous êtes en train de dire Lolo volait, mais honte à vous. À peine elle lève la tête, vous appuyez sa tête. Vous êtes heureux d'écrire, de lyncher, de sauter partout. Oh, les teams. Les teams ont tué la toile. Je regarde comme ça, là, je vous dis que j'ai pitié de vous. J'ai pitié des clans, des clans qui n'ont pas rehaussé, qui n'ont rien rehaussé. Ouais, vraiment. Vous êtes en train de sautiller. Oh, appelez la ténébrie. La ténébrie. Lolo escroc. Vraiment, honte à vous. C'est votre propre honte, misère mentale, misère morale. Franchement, qu'est-ce qui a jubilé là? Qu'est-ce qui a été heureux là? Vous êtes heureux de quoi? Sur quoi? Sur quelle base? Il y a quoi là? La honte, c'est pour vous. Pendant ce temps, de l'autre côté, on a des grandes chaînes de télévision. On a Live TV là-bas, d'un côté. On a NCI de l'autre. Elles sont en train de batailler. Deux chaînes de télévision sont en train de batailler. L'autre arrache Ividero. L'autre arrache, comment on appelle, Emmanuel Keita. L'autre arrache Coach Amonchi. Les chaînes de télévision. Vous n'avez même pas honte. Vous vous descendez les unes des autres. Honte à vous. La honte, c'est pour vous. Quand vous entendez une Emmanuel Keita qui vous dit qu'elle a refusé 25 000, elle dit qu'elle vous snob, elle vous nargue qu'une chaîne de télévision lui propose 25 000, elle dit que elle vaut 150 millions de francs CFA pour une télé-réalité sur elle. Mais pendant ce temps, pendant que les chaînes de télévision déposent, les blogueuses ivoiriennes sont dans les enchères. C'est-à-dire que l'autre chaîne de télévision met 25 millions.
Elle dit que l'autre, on est obligé de proposer 150 millions à Emmanuel Keïta pour faire une télé-réalité, pour faire un droit de réponse. Même pendant que mais vous, vous êtes là. Vous, vous êtes là. Vous êtes là, dit que Lolo, c'est ci. Lolo, c'est là. Lolo, c'est ci. Vous êtes content. On a apporté de quoi nous nourrir. Donc, quand vous faites ça, alors, tout ce que vous êtes en train de faire, là. Donc, ça veut dire que si... on a même quoi comme chaîne de télé, là? Au Cameroun, Vision 4, on a Equinox, on a qui encore là? On a Vision 4 Equinox ou Canal 2. Voilà. Donc, la CIA TV. Donc, ça veut dire que si Vision 4 voit comment vous êtes en train... Ça veut dire que s'ils envisageaient déjà envoyer Lolo même, je ne sais pas, il y a quoi comme compétition? Il y a la chaîne. Il y a la chaîne en Algérie. Et après, il y a la CAN en Côte d'Ivoire. Donc, si eux, ils avaient déjà misé sur Lolo, que voilà la journaliste, voilà l'animatrice, voilà la blogueuse, voilà l'influenceuse, que eux, ils vont envoyer à la CAN en Côte d'Ivoire, ou bien ils vont envoyer à la chaîne en Algérie. Donc, ils ne doivent pas miser sur Lolo. On ne doit pas proposer 30, 40 millions à Lolo. Que Lolo, c'est toi l'influenceuse, va là-bas à la chaîne. Regardez ce que vous faites. Regardez. Jusqu'à chacun ouvre son direct. Lynché, humilié. Et ça, après, ça va vous étonner. Quand bon matin, vous vous levez comme ça, là, et boum! Quand vous allez vous lever comme ça, boum, le matin, vous allez voir qu'on a pris Emmanuel Keïta. On l'a débouché là-bas. Vision, ou c'est Vision 4. C'est-à-dire que Vision 4, elle laisse toutes les influenceuses camerounaises. Ils vont sauter, aller loin en Côte d'Ivoire, aller déboucher Emmanuel Keïta, lui proposer 150 millions pour venir animer une émission à Vision 4. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Après, vous allez lancer les directs. Lolo n'est pas là. Elle n'est pas là. Toru n'est pas là. C'est vous qui allez pleurer. Je vous vois là, vous entretuez entre vous. Entretuez-vous, je suis fermière. Vous savez, non, je vends les œufs. Je suis au poulailler, je suis assise au poulailler, comme ça, je vends les œufs. C'est de la honte. Honte à vous. Quand je vois comment chaque personne se lève, Lolo est clos, Lolo ceci, Lolo, c'est la honte à vous. Franchement. Même le tribalisme, là, on va arriver là-dessus. Même le tribalisme, là, on va arriver là-dessus. Alors, je vois ce qui se passe un peu par rapport au tribalisme. Vous pensez qu'on a peur du tribalisme? On n'a pas peur du tribalisme. Même le tribalisme, on va entrer là-dedans. Propre! Et puis, ça ne choque pas. C'est Lolo qui s'est pris, qui se vend à 5 francs. Voilà. Même Lolo, elle va comprendre qu'il faut plus se vendre à 5 francs. Pendant qu'Emmanuel Keïta refuse 25 millions, toi-même commence à snober. On te parle, tu snob. On te parle, tu snob. Snob me l'est. Tu as peur de quoi, Lolo? Tu as peur de ta valeur? Tu sais pas ce que tu vaux? Snob me l'est. La personne qui est trop fâchée là, va payer là-bas chez Steve Fa. Il est influenceur. Celui qui est trop fâché là, va voir s'il peut voir l'orteil de Poupi. Voilà. Il faut snober maintenant. Et puis ça chauffe pas. Si tu snobes, ça va t'arriver quoi? On va entrer dans le tribalisme. Donc, chère sœur, ou c'est Clarisse et Inga, j'ai constaté que quand le problème est arrivé, oui, moi j'estime que tu aurais pu chercher un dialogue, une conciliation. Tout ne se résout pas avec les clashs. Dès qu'il y a marchandise ici, là, dès qu'une fille qui vient vendre des produits ici, là, elle mélange ses produits avec les clashs, on sait où ça donne. On sait. Ça veut dire qu'il n'y a pas de magie. Il ne faut pas qu'on te trompe. Il ne faut pas qu'on te trompe. Tout produit mélangé au clash ne mène nulle part. C'est un théorème mathématique japaptique ici, là. Ici, dans le Japa. Toute fille qui vient avec ses produits, là, dès qu'elle entre dans le clash, ça ne part nulle part. Je peux te donner des marques ici, là. Il y a une marque de vêtements ici, là, qui s'appelle Adrienne est quelque chose là. C'est des filles qui... Sandrine. Adrienne et Sandrine, c'est des filles qui vendent les vêtements. Elles vendent les vêtements. Moi, je les ai découvertes sur la page de Tata Lolo. Je les ai découvertes sur la page de Tata Lolo. Elles vendent leurs vêtements. Bonjour, la multimilliardaire Natacha de Monaco. Je te vois dans mon direct là, en haut. Donc, l'autre,
Elles vendent leurs vêtements. Tranquille. Mais moi, je les ai découvertes sur la page de Tata Lolo. Notre jeune sœur, la petite jeune sœur Radia Mélanine, la gamine a souffert. Parce qu'il y a eu des clashs sur ses produits, il y a eu des clans, il y a des ceci, il y a eu des cela. Mais regarde le comportement de la gamine, la petite jeune Radia Mélanine, notre petite sœur. Quand elle s'est retirée, elle est allée travailler, elle a fait ce qu'elle sait faire. C'est-à-dire s'occuper de ses produits. Aucun produit mélangé à un clash n'apporte quelque chose. C'est un théorème japatique, mathématique ici. Là. Dès que tu prends ton produit, tu déposes dans le clash, tu as tué ton produit. Il faut quitter de là. Quand tu prends ton produit, tu mélanges à quoi? Dans les clans. Tu es à gauche, le clan à droite te récupère, tu peux avoir les détracteurs et tout. Non. Lolo Asayamseur ici, là. Ça te coûtait quoi de contacter la reine Mebio? Tu pouvais contacter la reine Mebio. Si tu voyais que Rêve Mbia était dépassé dans la conciliation, tu contactais la reine Mebio. Si tu avais contacté la reine Mebio, ça aurait été différent. Mais à partir de ta volonté d'aller contacter les détracteurs de Tata Lolo pour qu'elle soit descendue, attendez, mais on va aller où là? On va aller où? La petite Radia Mélanie, c'est un exemple parfait. Depuis que la fille a compris que les clashs n'apportent rien, elle s'est calmée. Aujourd'hui, elle est dans son empire. Félicitations à toi, la petite gamine Radia Mélanine, pour ta boutique parisienne, en plein Paris. En plein Paris. Radia Mélanine a sa boutique. Après, ses boutiques à Londres et tout ça, partout dans le monde. Vous ne voyez pas que quand quelqu'un clique les clashs et qu'elle monte un empire, on doit vous faire un dessin. Qui vous a menti que le clash donne quelque chose? Dès que tu es clasheuse, oublie tes produits. Le clash ne t'apporte rien. Dès que ton produit est passé par un clash, oublie ça, qu'on ne te ment pas. Radia Mélanine, elle monte son empire aujourd'hui parce qu'elle a quitté des clashs. Merci ma jeune milliardaire, multimilliardaire Natacha de Monaco. Même toi, j'ai vu des gens te parler. Mais nargue-me-les. Il faut narguer. N'ayez pas peur du mépris. Mais peut-être que snobez-me-les. Emmanuel Keïta, qui pouvait refuser 25 millions, vous n'avez pas refusé 25 millions. Tata Lolo, une chaîne vient vers toi, tu lui dis que 50 millions. Et tu frimes, tu dis, je suis Tata Lolo. Tu dis que je vaux 50 millions. C'est-à-dire que pour un droit de réponse, Tata Lolo, une chaîne vient vers toi, tu dis que, oui, mais moi, je vaux 50 millions. Ne badine même pas, snobe-me-les. C'est quoi ça? Tu ne connais pas ta valeur ou quoi? Donc, c'est eux quand tu vas refuser 25 millions et toi, une fille au Cameroun va te proposer 100 000 pour un poste. Elle n'a qu'à aller voir Poupi. Nous, tous, on va voir si Poupi peut prendre 100 000. Elle va voir d'abord Poupi où? Elle va voir Sylvain où? Elle va voir Nathalie quoi où? Elle va voir Muriel Blanche où? Elle va voir Coco Emilia où? Donc, c'est toi sa moins chère. Tata Lolo, c'est toi sa moins chère qu'elle a croisé jusqu'à ce que tu me fais un poste. Elle t'a donné 100 000. Elle t'a donné 100 000. Après, Tata Lolo ne me donnait plus mon argent. Hein? C'est-à-dire que vante-toi. Snobe-me-les. C'est même quoi? À cause de toi maintenant, c'est sûr qu'une chaîne de télévision voulait t'envoyer à la chaîne là-bas en Algérie. Tu es sûr, toi, Tata Lolo, que ce n'est pas toi qu'on voulait déjà envoyer chez nos frères ivoiriens là-bas pour la CAN, quand ils vont organiser la CAN. Tu es sûr qu'une chaîne de télévision n'est pas en train de te regarder pour voir si c'est toi qu'on va envoyer là-bas? Quand on va entendre que tu prends 100 000, une petite fille vient te dire que non, il reste 254 000. Ah, mais quand même, te pose une question, tu clashes Tata Lolo, pourquoi? Non, c'est qu'il reste 254 000. Hein? Really? Donc, on va lancer 100 directs pour 254 000? Gars! Alors que quelqu'un t'a fait faire un chiffre d'affaires de plus de 5 millions? Ma chérie! Mais Tata Lolo, snobe-mêlée! La nouvelle année, snobe-mêlée! Frime, prends de la hauteur! Tu es journaliste, tu es animatrice, tu es présentatrice de télé, tu as ta web TV. Fais comme ça, tu frimes. Tu toises à la limite. Une chaîne de télé t'appelle. Quelqu'un t'appelle, c'est que tu vas réfléchir. Même Emmanuel Keïta. Quand Emmanuel Keïta a pris la marque de la sœur, comment se fait-il que toi-même, ta sœur est coach à moi?
Ta soeur a 1 800 000 abonnés. Toi, tu peux avoir Emmanuel Keïta qui a 1 100 000 abonnés. C'est EK que tu veux. Mais le montant que EK te propose, c'est-à-dire que tu ne peux même pas payer. Tu ne peux pas. Oh, il faut qu'on se dise les vérités. Ta soeur là, qui est coach à Mont, là, elle, sa meilleure amie, c'est qui? C'est pas Emma Louès. Pourquoi toi, tu n'es pas allé voir Emma Louès pour aller faire la publicité de tes produits? C'est sur Emmanuel Keïta que tu es parti. Question. Parce que tu sais que Emma Louès ne pouvait même pas te regarder. Elle te snob. Oh, ta sœur, c'est la meilleure amie de Emma Louès. Donc toi, la sœur de coach Amonchik, là, tu aurais pu aller voir Emma Louès. Mais pourquoi Emma Louès, qui est la sœur, ta propre sœur, qui est coach Amon, là, qui est caviar, elle a 1 800 000 abonnés. Elle ne fait pas la pub de tes vêtements. Tu ne lui demandes pas. Tu laisses ta soeur. Maintenant, la copine de ta soeur, là, où ta soeur peut te brancher, là, c'est Emma Louès. Elle ne te donne pas Emma Louès. Tu cours, tu vas chercher Emmanuel Keïta, votre moins cher. Elle a pris ta marque, là. Erreur qu'elle a fait, erreur Fomboutoukou. Qu'elle a pris ta marque, là, pour faire la pucelle, là. C'est là où tu es venu la déposer au carrefour. Mais sinon, de toi à moi, là, pourquoi ta soeur qui est coach à moi, là, elle ne t'a pas donné Emma Louès? Tu sais pourquoi? On va se dire les vérités vivantes. Parce que Emma Louès est snob. Elle va te dire, qui, moi, je fais la publicité de Fendi, je fais la publicité de Dior, je fais la publicité de Chanel, je fais pas ta pub, girl. C'est Emma Louès ne peut pas accepter ta pub. Toi, la soeur de coach à Monchique, c'est comme ça. Donc, l'erreur, parce que vous avez pris Emmanuel Keïta pour votre bouton pour elle accepter ta pub. On a vu le résultat, tu es venu la verser ici, là. Tu es venu la verser, pareil pour Lolo. Pareil pour Lolo. Donc, toi, Clarisse Yenga, toi-même, tu as vu que tu ne peux pas aller demander à Poupi. Tu ne peux pas aller demander à Nathalie quoi. Tu ne peux pas aller demander comment ça s'appelle, à Biscuit de Mer. Tu ne peux pas aller demander à Steve Fa. Tu as trouvé ta moins chère qui, Lolo. Là, voilà aussi, prends les produits à bois. Les gélules. Voilà comment, comme c'est que Lolo est assez sain, non. Les gélules. Aboyer. Résultat. Tu es venu la clasher, la déposer au carrefour de si je savais pour combien, 254 000. Et puis on est assis par terre, puis on fait direct sur ça. Ouais. Lolo, ne regarde pas ta valeur. Ne snob pas. Reste là, toujours là pour rester que toi, tu ne snob pas. Il faut snober. C'est vous les influenceuses, hein, la multimilliardaire, là, comment elle s'appelle là? La Natacha, toi, snobé. Quelqu'un vient vous snober. Et qu'est-ce qui s'est passé avec EK? C'est là où EK a dit que, ah bon, elle était toujours ouverte à accepter de faire des publicités pour les petites marques. Elle s'était toujours dit que oui, si une fille se bat au pays, moi je vais accepter de faire les publicités pour cette fille. Même si elle me propose combien, c'est pas grave, j'accepte de faire des publicités. EK a compris. Elle connaît sa valeur. Elle connaît non seulement la valeur, mais la valeur de sa communauté, la valeur de sa team, qui est la EK Land. Tu touches à EK, tu as touché à toute la EK Land. Donc, elle a compris. Maintenant, elle a dit que non, dans ce cas-là, c'est mes propres produits, la EK Empire. C'est ça là que je vais vendre. Je n'accepte plus vos publicités, Nyama Nyama. Elle-même, elle a commencé à snober. Le résultat, c'est que tu snobes. Maintenant, on va parler du tribalisme. Vous savez, ici sur la toile, il faut qu'on arrête d'hypocrisie. Vous tournez. Dès qu'un problème arrive, on regarde les régions des gens. On va parler des régions là. J'aurais appris que Clarisse Yenga est partie chez une femme refoulée là. J'aurais appris qu'elle est partie chez sa soeur du village, femme refoulée. La question que je vais vous poser ici sur la toile. Mais ta soeur du village, là, elle a déjà aidé le commerce de qui ici, là? On a vu. Tu pars chez ta soeur du village, celle-même qui a déjà détruit toutes les filles bêtises, là. Ta soeur du village, là où tu es partie, là, tu l'as vu quand elle est tombée sur Warios. Elle lynche Warios ici, là, jusqu'à lyncher tous les enfants de Warios, jusqu'à Enamgoy. Warios est bêtise comme elle. Ta soeur du village, quand elle tombe sur Chopard, Betty comme elle, elle la lynche. Jusqu'aujourd'hui, ça fait peut-être 9 ans qu'elle classe Chopard. Jusqu'aujourd'hui. Ta soeur du village, quand elle tombe sur Docteur Mvoutou,
elle allège jusqu'aujourd'hui. On va citer, hein. Ta soeur du village, quand elle tombe sur Maud-Jean-Élise Battante, elle allège jusqu'aujourd'hui. Ta soeur du village, quand elle tombe sur René Star de Lille, qui est de votre même région, elle allège. La question que je veux te poser, ma, cette soeur du village-là, qui avait dit ici là que Dr. Malam FMI, Dr. FMI, qui va aider FMI, qui est aussi sa soeur du village, à vendre ses produits, que FMI, vraiment, elle a les meilleures méthodes pour vendre ses produits. On attend les résultats. Elle a aidé FMI quand? Comment? C'est sur celle-là que toi tu pars, que tu dis que tu pars, tu vois la soeur du village. Mais si on veut maintenant faire le tribalisme, la question que je vais te poser, de toi à moi, mais dans la diaspora, il y a des blogueuses de, il y a les blogueuses de ta région. Dans ce cas-là, pourquoi tu n'as pas pris la blogueuse Warriors, qui est influenceuse d'État? Warriors est blogueuse influenceuse d'État. Elle aurait pu te faire ta CP. Oui, Warriors te l'a dit. Tu l'as laissé, elle qui est de ta région, qui est bêtie comme toi. Tu as laissé Warriors qui est bêtie pour aller chercher les aboiements de Tata Lolo qui est Bambéke. On va prononcer les choses telles qu'elles sont. Et puis on va entrer dans le tribalisme là. Tu es parti te plaindre chez qui? Tu es parti te plaindre chez qui? Chez ta soeur du village? Pour qu'elle descende qui? Lolo? Ou bien tu veux t'attaquer à la communauté de Lolo? Parce que je vois que, apparemment, j'apprends que vous avez un problème de tribalisme là. Que tu es parti chez la soeur du village. Girl, tu es sûr que tu veux vendre tes gélules? Non, je pose seulement la question. Tu es sûr que tu veux vendre tes gélules? Donc, les blogueuses de ta région, là, je vais te les citer. Warriors est blogueuse et influenceuse d'État. Tu as entendu avec quoi? D'État. Donc, si tu voulais commencer par une fille de ta région, si tu voulais qu'on reste dans les histoires de région, il ne fallait pas appeler Tata Loulou. Il fallait donc donner tes commerces de gélules à Warriors. Il fallait donner ça à Élise Battante. Elle est bêtie comme toi. Ça fait déjà deux blogueuses bêties. Qui d'autre même encore bêtie ici, là, qui pouvait vendre tes produits, là? Bref. Warriors et Élise Battante, elles sont des blogueuses bêtises. Tu aurais pu donner bonsoir à la Black Beauty. Tu aurais pu donner ce commerce là à des blogueuses bêtises. Aujourd'hui, j'apprends que ta soeur du village t'a récupéré pour faire le tribalisme. Ta soeur du village qui l'a aidé qui? Elle a déjà aidé qui? Là, on a vu de ses propres soeurs, Betty. Elle a déjà aidé qui ici? On a vu cette soeur du village, là. Elle n'a pas encore détruit qui? Elle n'a pas encore détruit qui ici? Là, on a vu. C'est un problème de tribalisme. C'est celle-là que tu allais voir. Si vraiment tu as un problème, oui, Tata Aline aurait pu faire la poussée de tes produits. Elle est Betty comme toi. Donc, il n'y a pas de problème ici, là où on peut rester comme ça, là, ça ne tourne pas autour du tribalisme. Ta soeur du village qui te tire là maintenant aujourd'hui, en dehors des clashs, des lynchages, qu'est-ce qu'elle peut t'apporter d'autre? Qu'est-ce qu'elle peut t'apporter d'autre? C'est elle qui crée maintenant un problème communautaire, un problème qui devient un problème tribal. Mais la question que je vais te poser, c'est Lolo qui se prend pour 5 francs. Parce que si elle-même, dans sa communauté, elle tape du poing sur la table, Lolo, à partir du moment où toi, tu as commencé le tribalisme la première, ne viens pas pleurer après. Parce qu'on ne pleure pas dans l'entrepreneuriat. On ne pleure pas. Donc, comme tu as commencé les histoires de soeurs du village, là, qui est en train de lyncher Lolo, là. Ma multimilliardaire, toi, tu ris quoi? Toi, ils ne pouvaient même pas te contacter. Toi, tu vas prendre 100 000 sur quoi? Sur quelle base? C'est Lolo qui se laisse faire. Lolo a refusé de snobber les gens. À partir de 2023, Lolo va commencer à snobber. Donc, j'étais en train de dire que à partir du moment où toi, tu as commencé le tribalisme la première, il ne faut donc pas pleurer. Parce que tu as commencé le tribalisme. Avant que Lolo peut lancer une directe et lancer le veto, tu veux voir la force de Bambéke? Tu veux que je te dise? Je ne cache pas. Si on te demande, tu dis que c'est Patoumé qui a fait le son. Tu entends? Je ne me cache pas pour te dire ça. Je te dis ça à visage découvert. Tu as exploité les aboiements d'une blogueuse Bambéke pour aller pleurer dans le jupon du moins que rien et quand. Ta soeur et quand, soi-disant. Je répète ça pour que tu entendes. Et Yenga Clarisse, tu as exploité le charisme d'une Bambéke. Tu as exploité les aboiements d'une Bambéke. Tu as exploité la visibilité d'une blogueuse Bambéke pour aller pleurer sous les jupons de cette sorcière, soi-disant sœur Betty Ekam, qui ne t'apportera rien. Si on te demande, dis que c'est moi.
Ça veut dire que tu as commencé le tribalisme la première. Et ça veut dire que tu veux affronter la communauté Bandeke. C'est Lolo qui te laisse. Sinon, elle-même, Lolo, à 20h, elle lance le veto. Aucune fille Bandeke n'achète tes produits. Tu vas voir la puissance des Bandeke. Et ne pleure pas, parce que c'est toi qui as commencé le tribalisme la première. Tu savais très bien qui est cette sorcière et quand. Cette sorcière Betty-là. Tu savais très bien qui elle est. Vous mettez le tribalisme un peu partout. Tu as un problème de commerce avec Lolo. Le tribalisme sort d'où? Ça devient les histoires des sœurs du village. Parce qu'une blogue. Il n'y avait pas les blogueuses de Betty. Il n'y avait pas les blogueuses. Tu as vu Waros. Elle t'a dit quoi? Quand tu as vu le direct de Waros, Waros t'a dit quoi? Waros t'a dit que là où tu es parti lâcher la fille Ekamla, la fille Betty là. La fille Betty là est la première destructrice de toutes les filles Betty là sur cette toile-ci. Tu as oublié? Tu as exploité une Bamileke. Une Bamileke, une blogueuse Bamileke t'a fait vendre plus de 5 millions. Tu as exploité. Quand tu as fini d'exploiter le charisme de cette Bamileke là, tu finis d'exploiter la visibilité de cette Bamileke là, tu mets le tribalisme et tu pars chez cette sorcière Betty là pour dire que c'est les histoires de soeur du village. Qu'elle va t'aider à faire quoi? Elle peut t'aider à faire quoi? Si Lolo dit qu'avant ma prépaté, on va résoudre le problème là dans le tribalisme. Et Yenga, tu vas t'en sortir. Et Yenga, moi, je te pose la question. Toi, tu vas t'en sortir. Il y a combien de filles Bamileke là? C'est-à-dire qu'il y a combien de filles Bamileke là qui peuvent écouter le veto de Lolo? Plus de vente de produits. Aucune fille Bamileke n'achète ce produit-là. Si Lolo lance le veto là, tu vas t'en sortir. Vous connaissez souvent commencer le tribalisme, mais vous ne connaissez pas comment ça finit. Ça va finir mal. Et ne pleure pas. Parce que toi, tu as commencé le tribalisme la première. Nous savons tous ici sur la toile, là où tu es parti là. C'est la sorcellerie incarnée là-bas. Si on te demande, dis que c'est Patissa qui a fait le son. Propre, et puis ça ne chauffe pas. Dans Gâté Gâté là, dans le pays de Gâté Gâté, c'est Gâté Gâté qui est roi. Propre. Parce que si Lolo veut appliquer la réciprocité là, dans le tribalisme, ma soeur Yenga, tu ne peux pas t'en sortir. Parce qu'on va lancer le veto. Aucune fille Bamileke digne de ce nom. On dit qu'on prend toute la région Bamileke. Aucune fille Bamileke n'achète tes gélules. Nous tous, on va voir comment la sorcière va réussir à convaincre les filles. Quand c'est quoi? Le tribalisme sort d'où? Rêve bien est là. Tu aurais pu aller dans une conciliation. Rêve bien est la soeur de Lolo. Ça te coûtait quoi? Tu attends, tu causes avec rêve en inbox. L'inbox existe pourquoi? Les appels existent pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a que vous êtes obligé d'aller en clash? Le clash est obligé. On vous a prescrit le clash. Le clash, c'est que toute marchandise est mélangée au clash, ne donne pas. C'est clair ici, on le sait. Tout ce que tu peux vendre ici, là, dès que tu mélanges le clash, ça ne donne pas. Tu t'attaques à la communauté Bamileke. Parce que là où tu es parti, là, pour qu'elle détruise Lolo. Cause sœur du village. La sœur la plus démoniaque. La plus démoniaque, c'est celle-là que tu es partie. C'est sous ces jupons que toi, tu es partie se cacher. Really? Tu es sûr que tu veux vendre tes produits? Ou bien tu venais clasher Lolo? Ou bien on t'a envoyé? Il faut nous dire si on t'a envoyé. Parce que nous, on aimerait savoir. Peut-être on t'a envoyé, on ne sait pas. Si on t'a envoyé, va dire que tu n'as pas trouvé Lolo. Va dire que tu as trouvé Lolo loin dans une chaîne de télé quelque part. Là où on l'a payé 50 millions. Propre. C'est quoi? Pour 54 000, elle a mis fin à son commerce et puis sa chambre, bien sûr. Et tu peux même mettre fin à son... Moi, je vais te poser la question. Clarisse et Yenga, je vais te poser la question. Et Yenga, est-ce que tu penses qu'une collaboration ne peut pas finir sans clash? Ça aurait pu finir sans clash. Lolo peut te dire qu'ok, d'accord, les produits ne marchent plus. Ok, really? Les produits ne marchent plus. Ok, on fait les calculs. Quand vous avez calculé, est-ce que nous, on était là? Quand vous avez calculé qu'il restait la somme ou bien c'est de 454 000, je ne sais pas quand. Quand vous avez calculé cette somme, est-ce qu'on était là? On n'était pas là. Donc, vous auriez pu faire vos calculs et attendre la fin des différents paiements. C'est tout. Tu gagnes quoi à ce qu'on clash, on qualifie maintenant, et qu'on clash Tata Lolo d'escroc, de ceci, de cela, et que ça aille partout. Tu gagnes quoi? Alors qu'elle a vendu au minimum 5 millions pour toi. Qui ne rêve pas ici là qu'on vende sa marchandise pour, même pour 3 millions? Qui ne rêve pas de ça? Moi, j'estime que tu n'aurais pas dû.
Tu n'aurais pas dû. C'est que la séparation peut se passer sans clash. Qui vous a dit que le clash est obligé dans les affaires? Le clash n'est pas obligé dans les affaires. Et dessus quoi? En plus du fait que ce soit le clash, on va commencer à regarder les tribus. Et toi, tu parles à vendre où? Chez là-bas, là. Là-bas? C'est là-bas que tu as trouvé dans toute la toile-ci. C'est là-bas que toi, tu as trouvé pour aller déposer. Tu vas aller déposer Tata Lolo. Coco, elle est ta soeur du village. Elle va te protéger. Elle-même, elle a vendu quoi ici, là, on a vu. Elle a même déjà protégé la quête de ses soeurs Betty. Là, nous tous, on a vu. Chacune de ses soeurs Betty a été détruite par elle-même. Carole Abena, elle a clashé avec. Marthe Chopa Betty, elle a clashé avec. Coco Lago Betty, elle a clashé avec. Docteur Mvutu Betty, elle a clashé avec. René Saleli Betty, elle a clashé. L'autre là, l'autre, Élise la battante Betty, elle a clashé. Waros, alors c'est le terminal. Quand elle clash Waros, elle clash jusqu'à Enamgoy. Elle insulte les enfants de Waros jusqu'à Enamgoy. Elle a déjà aidé quelle Betty on a vu ici là. Voilà la liste de ces Betty. Clashé, lavé, séché, rincé. C'est là-bas que toi tu es parti déposer le dossier de Tata Lolo. Pour qu'elle en fasse quoi? Pour que toi là, c'est toi là qu'elle va aider. Really? Docteur Malam, FMI, elle a déjà aidé. On a vu. On a des résultats sur Docteur Malam, FMI. C'est sur toi là qu'elle va venir. Vous êtes arrivé sur le tribalisme. Un problème simple de deux personnes, une influenceuse plus une blogueuse qui aurait pu se terminer tranquillement, ça devient quoi? Ça devient des problèmes. Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous ne finissez pas les problèmes, les collaborations doucement? Est-ce que les collaborations sont obligées de finir comme ça? Non. C'est pas tout, c'est pas une prescription. Pourquoi toutes les collaborations finissent comme ça? Apparemment, Tata Lolo sera en direct à 20h pour apporter les preuves et les explications là-dessus. Pour ceux qui n'étaient pas là au début du direct, j'ai signalé le manque de professionnalisme parce que à partir de maintenant, il faudrait que les blogueuses d'une part et de l'autre côté, les commerçants qui veulent la publicité, la visibilité des produits, la visibilité de ces blogueuses-là, passe un peu plus dans le professionnalisme, signe des contrats professionnels et soit plus qu'on mette un peu plus de professionnalisme dans ce genre d'histoire pour éviter ce genre de trucs. Et puis Yenga, j'ai constaté que quand tu fais le direct, même le nombre même toi-même de tes produits là, tu ne connais pas, parce que avant même de faire un direct, tu aurais pu mettre la liste exacte. Parce que tu es toujours en train de je sais pas quoi, d'hésiter, même dans le nombre exact. Non, on avait d'abord perdu 5, après elle avait dit qu'il avait perdu 20, après il manquait 10, après j'avais envoyé 94 produits, après dans les 94, j'avais envoyé 70, après il te restait combien? Après on est obligé de te demander que finalement on te doit combien? On a tourné, finalement on te doit 200, 254 000. Maintenant, ce que je ne comprends pas, où est parti le RIA? Donc, si tu as reçu le RIA des 200 000, il nous reste seulement 54 000. Si tu n'as pas reçu le RIA, je dis même si c'était même que tu n'as pas reçu le RIA de 200 000, je pense qu'il ne fallait pas pousser un peu plus loin. Et je pense que quand on est une commerçante, franchement, le clash n'est pas une prescription médicale. On peut terminer des collaborations ici-là sans arriver au clash et que ça se passe bien. Parce qu'à partir de ce moment-là, ça dévalorise nos blogueuses et influenceuses camerounaises. On a que celle-là. Et vous ne pouvez pas vous lever là où vous êtes là. Vous partez voir Emmanuel qui était là-bas pour une publicité. Vous n'allez pas pouvoir. Elle ne peut même pas faire votre pub pour vous. Voilà. Donc quand vous détruisez déjà les blogueuses et influenceuses qui sont là et qui acceptent de faire des publicités pour les produits, ça fait en sorte que les autres petites commerçantes qui arrivent derrière et qui veulent aussi se lancer et qui aimeraient aussi avoir la visibilité des influenceurs. Les influenceuses, elles sont là pour ça. Elles sont là justement pour faire la publicité, pour faire des placements de produits. C'est leur rôle. Elles gagnent leur argent comme ça,
en faisant les placements de produits. Ça se passe dans toutes les communautés. Il ne faudrait pas que ça se passe mal seulement dans la communauté camerounaise. Donc, et Yenga, ce que je voulais te dire, c'est que quand ça se passe comme ça, ben après ça part en vrille, parce qu'après, il n'y aura plus de... Voilà. Donc, le tribalisme que toi, tu as commencé en premier, moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée, parce que vous n'êtes pas les seules tribus. Toujours les Bétis et les Bamiléké, non, vous n'êtes pas les seules tribus. Donc, du coup, le fait d'aller là-bas chez celle que nous tous, on connaît là, celle que nous tous, on connaît là, qui est donc Béti, qui est ta sœur du village, je pense que si c'est pour détruire une fille Bamiléké, moi, je ne suis pas passée par mes chemins pour te dire. À un moment donné, il faut arrêter d'exploiter les Bamiléké lorsque vous voulez qu'elles fassent du travail pour vous. Quand elles finissent de faire le travail pour vous, vous venez les déposer à la vendie populaire. Voilà, tu as exploité le lot. Elle a fait le travail pour toi. Tu as exploité le lot. Tu as exploité ses aboiements. Tu as exploité son aura. Tu as utilisé sa visibilité. Sa visibilité, elle a donné minimum 5 millions. Minimum au bas mot. C'est-à-dire que moi, j'ai pris les quelques chiffres que j'avais. Donc, tu as reçu minimum 5 millions. Et quand tu finis d'exploiter la visibilité d'une fille bamiléké, si tu veux la clasher, va parler à sa propre sœur, sa yam sœur, qui est la reine Nebio. Il fallait aller déposer ce problème là-bas. Maintenant, si tu apportes ce problème de façon communautaire, de façon, tu mets le tribalisme là-dessus, tu pars chez celle qui est Betty là, qu'on connaît tous. C'est la destruction. Ce n'est pas des menaces, hein, mais c'est des faits réels. Voilà. Donc, je soutiens l'entrepreneuriat. Je soutiendrai toujours toutes celles qui entreprennent. Et puis, Black Beauty, pour celles qui veulent... merci pour Stella Amogou Porsche Cayenne. La Porsche Cayenne pouvait bien te faire... La Porsche Cayenne pouvait bien te faire la publicité de là. Mais tel que je connais la Porsche Cayenne, elle ne se prend pas pour 5 francs. Je suis désolée de te dire ça, Inga. La Porsche Cayenne, tu ne peux pas la voir à Yaoundé. Et tu lui dis que prends 100 000. Prends 100 000 et fais un post sur ma page. La Porsche Cayenne ne va pas accepter. Voilà. Il faut qu'on se dise des vérités claires. C'est le lot qui s'est vendu moins cher. On va se dire les vérités claires. Voilà. Parce que le lot, peut-être aussi, ne connaît pas la puissance de sa communauté. Il faut dire les vérités à Lolo. Va voir là-bas la E-Calandre. La E-Calandre, c'est la magie. C'est toute une team. C'est toute une communauté. Dès que tu touches à E-Calandre, on te détruit. C'est-à-dire que, tac, 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 on te détruit. Donc, tu devrais aussi, bravo, Prado Monté, bonsoir. Tu devrais aussi faire confiance à ta communauté, toutes les Lolomania et qui t'entourent et qui te propulsent, qui te portent. Comme. Regarde, là maintenant, ce qui se passe avec Coach Amon et Eka, c'est un gros problème de communauté. Même Lolo Beauté que vous voyez là, Lolo Beauté n'a pas les Lolo Boss comme la Eka Land. Non, Lolo Beauté n'a pas les Lolo Boss comme les fans de les caviar de Coach Amon. Non, c'est des grosses communautés qui portent et qui élèvent leur star. C'est ça qui est ça. Donc Lolo devrait faire plus confiance. Lolo devrait plus faire confiance à sa communauté, faire grandir les Lolomaniens et faire confiance aux Lolomaniens. Voilà, pour essayer de monter. La Black Beauty, essaye d'entrer dans ce direct-là pour voir si ça fonctionne, parce que je ne sais pas si ça fonctionne. Vous me parlez de Stella Amogou. Stella Amogou, elle ne peut pas. Tu ne peux pas croiser Stella Amogou à Yaoundé et te dire que... Donc, tu lui dis, tu lui tends 100 000. Elle va te dire qu'Anti, Anna Amogou, Anti. Elle va te dire que Stella Amogou va te dire qu'Anti. Anti, Anna Amogou, 100 000. Anna Wawa, ok. Anti, Stella Amogou va te demander 1 million. Oui, pour un poste sur sa page. Elle a raison. Elle ne se prend pas pour 5 francs. Elle ne se prend pas pour 5 francs. Voilà. Lolo n'a pas eu confiance en elle et à sa communauté et à son pouvoir. Elle a pris les gélules, elle a fait le travail, elle est venue aboyer et tout. Voilà les résultats de l'aboyement. Elle se retrouve avec un problème... Un problème de 254 000 francs CFA qui aurait pu être résolu. Oui, la Black Beauty, essaie de voir, faire la demande. Je vais voir si ça va passer. Je vais voir si ça marche. Hein. Ça écrit à jour en cours là. Je vais voir si ça fonctionne. À jour à cours. Ah, ça marche. Je ne savais pas que ça marchait. Bonsoir à tous, bonsoir. Ah, ok. La Black Beauty, bonsoir. Ça va? Bonsoir. Je suis un peu malade, mais bon.
Vraiment, cette histoire-là, c'est la catastrophe parce que je ne sais pas comment l'être humain est. La dalle de l'eau est trop gentille. Mais c'est dommage. Après, ton message, il est clair, hein, tu vois. Il faudrait qu'on apprenne à se respecter et que cette dalle de l'eau aussi, de son côté, commence à bien se vendre cher parce que la pitié, je pense que la pitié n'a jamais arrangé beaucoup de choses. Parce que le blanc, là, quand il met les prix de sa marchandise, tu vas chez lui, il donne 10 000 euros, tu vas compter que 5 000 euros est donné. Ou soit ça ou rien. Et là, à vouloir aider, finalement, elle se retrouve en train d'être humiliée, vilipendée, pour rien, en fait. Vilipendée pour rien. Moi, je dis aussi, la Black Beauty, est-ce que tu comprends avec moi que si une collaboration doit s'arrêter. Est-ce qu'une collaboration est obligée de s'arrêter par un clash? Mais non, c'est ce que j'ai dit ce matin. Une collaboration n'est pas obligée de s'arrêter par un clash. Ce qui me choque en plus, c'est qu'elle avait les contacts de Rêve. Donc, ça veut dire qu'elle pouvait contacter Rêve et parler à Rêve, puisque apparemment, il y a eu un moment où il y a eu un conflit et qu'elle a eu Rêve au téléphone. Rêve lui a dit, je vais parler avec Lolo. Oui. Et justement, Rêve a parlé avec Lolo et est revenue vers elle. Et Lolo, elle l'a encore recontacté pour dire que, OK, il n'y a pas de problème. Donc, ça sert à ça aussi, les médiations. Alors que, si toi, tu as une soeur qui peut déjà, en fait, si tu as une personne qui peut déjà avoir quelqu'un qui l'écoute, c'est déjà une grâce. Pour oui, Rêve est blogueuse. Rêve aurait pu faire la médiation de ce problème. Donc, du coup, elle n'était pas obligée, d'arriver au clash. Oui, mais il y avait déjà eu un problème. C'est ce que je t'ai en fait expliqué, puisque dans le live de Amek, elle a dit qu'il y avait déjà eu un problème quand Tata Lola a dit qu'elle ne voulait plus vendre les gélules et que Rêve l'avait contactée pour demander des gélules. Elle lui a dit que non, que Tata Lola a décidé qu'elle ne va plus vendre. Elle s'est plainte chez Rêve et Rêve a dit que je vais parler avec Lolo. Et c'est comme ça qu'elle a parlé avec Lolo. Et à partir de là, Rêve justement a parlé à Lolo et Lolo est revenu un peu sur sa décision. D'accord. Et après, Lolo lui a fait comprendre que vraiment les gélules ne marchent pas. Partout, moi-même, j'ai acheté les gélules. J'ai dit et je redis encore, ce n'est pas pour détruire ou quoi que ce soit. J'ai acheté. Je l'ai acheté, ça ne fonctionne pas. C'est clair et net. C'est pas comme si je parle pour faire du mal parce qu'aujourd'hui, ça, c'est sorti. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi tu n'as pas demandé, tu ne t'es pas plaint. Mais je me plains de que ça va changer, pour me rembourser. Ah, c'est ça. Bonsoir, Warriors. Bonsoir, la Warriors. Ouais. Bonsoir. Ça ne marche pas. On ne peut pas, on ne peut pas. Même pas 5 francs. J'ai toujours été, aussi. Voilà. C'est tout. La Warriors, bonjour, je ne t'entends pas. Bonjour ma Warriors. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas entendu. Oui, c'est bon là. C'est bon? Oui, Warriors, oui. Oui, Warriors. On ne fait pas, on ne fait plus de chantage aux enfants. Quand vous avez l'argent, hein, ça va. Mais quand il y a un petit problème, on arrive à faire, c'est mort. Oui, ami. Claire. On a les autres, nous ne les avons rien. Oui. Mais zéro paix, Warriors. Quand on arrive avec ça sur la table, c'est une grosse paix. Nous lui avons fait gagner les 11 millions. Ben oui, on a essayé de calculer le minimum. Là, elle a eu de l'argent. Elle a eu l'argent. Maintenant, dit que mon corps ne marche plus. Elle a acheté, elle a offert. Elle a un problème. Quelle page c'est ça, les petits vont lui faire sa part. On va faire un programme. On voit. Celle-là a déjà aidé qui on a vu. Ok. Ok, Warriors. Merci, ma Warriors. Merci. Donc, c'est un peu ça, t'as pas. De toutes les façons, ton analyse a été claire. Tu as dit c'est différent. Donc, Black Beauty, là où je suis sur ta page, Là où je suis sur sa page, en fait, l'histoire est partie en clash, en fait. Parce que là, je suis sur sa page, je constate que la première chose que je reprocherais
La première chose que je reprocherais à, comment elle s'appelle, Clarisse Eyenga, première chose que je te reproche, c'est que, par exemple, tu réclames l'argent des produits à Lolo, mais dans ce cas-là, Black Beauty, dis-moi un peu si je me trompe, si tu réclames l'argent des produits à Lolo, où est le rapport avec des posts qui concernent des produits de beauté qu'elle t'a demandé d'aller acheter au marché Mopi? Tu vois, la Black Beauty, ça casse la confiance. Ça veut dire que toi et moi, et c'est cette manie-là comme nous tous, on est en train de déplorer ici, là, sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que toi et moi, on fait un business, on entre en clash. Toi, tu viens déposer, par exemple, que si je t'avais dit que va au marché de Sarcelles, va m'acheter une robe au marché de Sarcelles, tu vas venir mettre le voice ici, là, que oui, tu m'avais dit d'aller, comme tu es au marché de Sarcelles, de me prendre une robe à 10 euros là-bas. Parce que quand elle vient déposer, quand elle vient déposer le fait que Lolo lui a demandé que est-ce que tu peux me prendre quelques produits au marché Mopi, de vous à moi, est-ce que ça a à voir avec l'argent du commerce? Ça n'a rien à voir avec l'argent du commerce. Mais ça n'a rien, ça n'a aucun rapport avec ce que... Oui, ça n'a rien à voir avec l'argent du commerce. Donc là, on est déjà dans les clashs. Justement, non, c'est dans l'intention. Il y a une abeille qui vient mettre un post sur sa page qui lui dit que ma chère Clarisse Eyenga, tu es ici depuis des années et tu es abeille. Tu vois, elle lui dit que et tu es abeille. L'abeille s'appelle la douce maternelle. Tu es abeille. Mm-hmm. Si je peux me permettre de le dire, tu connais le personnage qui est Lolo. Donc, on entre déjà très rapidement dans les problèmes de team. Donc, c'est pour ça que je dis qu'elle lui dit que je comprends que c'est le commerce, mais il y a des personnes avec qui on ne traite pas. Tu vois, donc tout de suite, il faut de la récupération. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, il faut que les détracteurs que je constate là qui sont des abeilles viennent lui dire qu'elle n'aurait pas dû faire une collaboration avec Lolo. Tu vois que tout de suite, il y a la récupération. Et ce que je ne comprends pas, s'il y a la récupération, donc ça veut dire que sur cette toile-ci, il n'y aura jamais de commerce. Il n'y aura jamais, tant qu'il y aura la division, tant qu'il y aura toujours que, pourquoi tu es allé dans tes teams, pourquoi l'autre, tu es allé chez l'autre, pourquoi c'est, dans cette récupération-là, cette abeille qui vient mettre ce poste-là. Mais l'abeille-là oublie que Lolo lui a fait vendre quand même plus de 5 millions de francs CFA. Lolo lui a fait quand même vendre plus. Quand elle finit de vendre, c'est maintenant qu'elle vient lui dire que tu n'aurais pas dû collaborer avec Lolo. Mais avant de lui dire ça, quand Lolo vendait, criait, aboyait, les gélules, quand elle aboyait, pourquoi elle ne lui a pas dit qu'il ne faut pas, il faut pas collaborer avec Lolo? Pourquoi quand ça cuit, c'est maintenant qu'on vient faire la récupération? C'est là où ça ne va pas. Franchement, les gens n'ont pas compris qu'il faut faire la différence dans certains cas. Au fait, il faut comprendre que si toi et moi on s'embrouille aujourd'hui par rapport à une bouteille, qu'on reste sur la bouteille. Oui, qu'on reste sur la bouteille. Et parce que là, sa volonté de faire sortir les c'est même pas les audios, les messages dans lesquels qui n'ont rien à voir avec la vente de produits. Elle devait sortir les messages où Lolo lui dit par exemple que j'ai besoin de tel produit, envoie-moi le nombre de produits, non, tu me dois tel... Non, voilà les messages qu'il faut sortir, au pire des cas. Mais tu ne peux pas sortir des messages dans lesquels... Tu ne peux pas sortir des messages dans lesquels Lolo te dit par exemple que passe au marché Mbopi. Va au marché Mbopi, achète-moi tel produit, tu prends, tu sors. Donc si je clash avec toi la Black Beauty... Si j'ai bien compris, peut-être c'est elle qui m'avait proposé qu'elle voulait quelque chose, offrir un truc, et puis t'attends, lui a dit que bon, vas-y, prends-moi les crèmes. Et même, elle est libre, c'est sa vie, c'est sa peau, c'est son corps. Je lui ai dit que quand tu commences à traiter avec quelqu'un, tu peux demander un service de manière naturelle à une personne, parce que tu n'as pas le temps. Mais justement, cette confiance-là est donc bafouée. On ne peut plus faire confiance à qui que ce soit. On ne peut plus justement faire confiance à qui que ce soit. C'est pour ça que c'est l'exemple que je t'ai donné. Je dis que même ma robe, si je te dis que bon, comme je collabore avec toi à la Black Beauty, comme tu dis que tu es au marché de Sarcelles ou de Saint-Denis, oui, ramasse-moi une robe là à 8 euros. Dès que je t'ai demandé la robe à 8 euros, ça devient que dès qu'on se clash, tu mets le message que elle m'avait demandé la robe à 8 euros au marché de Sarcelles. Comme j'étais au marché de Saint-Denis, tu vois. Voilà, ce message-là, par exemple, n'a rien à voir avec l'argent qu'on réclame. Bonjour, Joséphine Legrand. J'espère que tu vas bien. Par exemple... C'est dommage quand même. Oui, elle continue avec un autre message. Madame rêve qui m'insulte alors que je ne lui ai rien fait. N'oubliez pas ici que je payais les répétitions de votre enfant qui est ici au Cameroun. Il faut penser à me rembourser aussi.
Donc, on est plus, donc, en fait, on n'est plus dans une histoire de produit, on est aussi dans une histoire qu'elle payait les répétitions de l'enfant de rêve, Mbiaye. Ah bah! C'est pour dire que, Fatou, c'est pour dire que cette histoire-là, c'est quelque chose que, quand tu n'as pas l'intention de faire du mal à quelqu'un, tu n'avais pas l'intention, parce que moi, je pense que la dame, elle s'est dit que quoi? Que quand Tata Lolo est connue, et qu'un jour, si jamais sa capote est venue les afficher sur Facebook, tu comprends? Oui. Et que, peut-être Tata Lolo aurait peur qu'on vienne l'afficher, elle va dire des trucs et puis ça va, elle va s'abstenir. Mais le point, c'est qu'elle a oublié que Tata Lolo a une brillée depuis la nuit des temps de Facebook. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore montré? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit? Non, même si on est, grillé, on est dans l'air quand même de la, voilà, même si on est grillé, on est quand même dans l'air de la monétisation. Ce n'est pas parce que nous sommes tous grillés, c'est pas parce que nous sommes tous grillés qu'on doit, nous marcher dessus. Justement, je comprends que c'est un état d'esprit de vengeance qui l'anime et plus de malhonnêteté, parce que, en d'autres termes, ce n'est pas quelqu'un qui est reconnaissante. Je dis que même si, c'était 500 euros, elle garde ses sœurs, elle restait tranquille, elle joue en grand, il y a quoi? Lydie Fokken, j'ai une question à te poser. Comment se fait-il que elle réclame les produits? Parce que Amel Kamel lui a posé une question. Lolo te doit combien? Elle a dit 254 000. Ok. Si Lolo te doit 254 000 pour un problème de gélule, on est d'accord, Lydie Fokken? Où est le rapport avec les vols, le message qu'elle est en train de sortir que tu m'as envoyé au marché Mbopi, aller acheter les produits de beauté? Un, pourquoi elle sort ça? De deux, pourquoi est-ce qu'elle sort qu'elle payait les études, le répétiteur de l'enfant de rêve Mbiaye qui est au pays? Est-ce qu'on a besoin de savoir que l'enfant de rêve Mbiaye est au pays? Qu'est-ce qu'on en a à foutre que le fait que l'enfant de rêve Mbiaye soit au pays? Donc, ou bien il a un répétiteur, ou bien il n'a pas un répétiteur. Donc, en fait, elle est dans le clash. Elle est dans le clash. Elle cherche la célébrité, c'est tout. Elle est dans le clash. Et moi, je dis une fois de plus que le clash avec les produits, ça ne marche pas. Le commerce avec le clash, le commerce avec le avec les clashs, ça ne marche pas. Moi, je ne vois pas où est du tout le rapport avec un enfant de rêve bien qui est au pays, dont elle payerait le répétiteur. Jusqu'à elle sort la conversation. Donc, rêve à un enfant au pays. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à cirer? Mais chacun juste a une vie, non? Qui n'a pas de passé, qui n'a pas de vie. Donc, il y a des personnes qui vont te donner 10 euros. Demain, vient t'afficher. Le jour, te demande un service, tu ne rends pas le service. Ou quand tu finis de rendre le service, elle vient t'afficher qu'il t'avait donné mes 10 euros. C'est tout. Et avec ce genre de personnes, tu veux, qui va traiter avec toi, en fait? Je crois que Tata Lolo était très naïve. Hein? Mais c'est aussi bien, ça va lui servir de leçon aussi en face de Tata Lolo. Comme ça, prochainement, elle va se vendre cher, comme tu disais. Je te dis que. Et chacun va se tenir à sa place. Tata Lolo. Tata Lolo, tu as vu, non? Tata Lolo, fais comme Eka. Tata Lolo, maintenant tu fais comme Eka. Tu te mets comme ça, là. Tata Lolo. Tata Lolo, maintenant tu fais comme Eka. Tu te mets comme ça, là. Quelqu'un te dit que... C'est-à-dire, tu dois devenir maintenant inaccessible. Hein? Si Poupie est inaccessible, si Muriel Blanche est inaccessible, toi tu es accessible, pourquoi? Toi aussi tu vas devenir inaccessible. Oui? Donc quelqu'un te demande quelque chose, tu dis... On t'appelle, dit que oui... est-ce que tu peux venir, Tata Lolo, est-ce que tu peux venir à tel endroit? Oh, ben c'est 50 millions. Cash! Tu ne dis que tu vas dire que c'est 50 millions. Et tu, dès que tu lui dis 50 millions, la personne veut parler trop, tu dis, oh, ben, tu raccroches. Tu dis, oh non, ça ne m'intéresse pas. Tu snobes maintenant. Hein? Un qui a refusé 25 millions. Non. La réalité, c'est que les blogueurs camerounais se vendent toujours moins cher au prix de rien. Ben justement. C'est parce qu'ils n'ont pas élevé le niveau. Si ils avaient élevé le niveau, non. C'est que même des grandes chaînes, là, les sollicitent en vrai roi. Tu vois, un cas là, quand un cas parle là, elle te donne son prix, mais ne discute pas avec toi. Ça te plaît, ça ne te plaît pas. Et elle refuse, elle ne prend pas. Est-ce que tu as besoin pour montrer qu'elle a une valeur? Parce qu'elle sait. Et ma blague beauty, ma blague beauty, le truc un peu, c'est que ce qui va se passer, c'est que à la fin de tout ça là, tu vas voir que quand la même EK va être sollicitée par une chaîne camerounaise et qu'elle va aller animer, les mêmes personnes qui ont descendu Lolo ici là vont dire que oui, pourquoi ils ont pris EK alors qu'il y a les influenceuses ici là camerounaises, pourquoi on n'a pas pris les camerounaises? Ah bon? Vous finissez de dévaloriser les Camerounaises. Après, vous allez dire que pourquoi on n'a pas pris. Coucou Inès, ma chérie. J'espère que tu vas bien. Bonsoir, ma femme. Bonsoir. Effectivement,
nous, on s'entretue. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait un peu, on veut élever une personne, on rabaisse. Et quand on ne te lève pas, on veut que tu sois debout. Mais finalement, vous voulez quoi? Choisissons un peu ce qu'on veut dans la vie. Hein? C'est nous-mêmes qui prenons nos bouches, on se tue, on s'entretue, on tue nos frères, on tue nos soeurs. Ah, entretiez-vous, moi, je suis à la ferme. Je suis fermée devant les autres. Non, on va venir te rejoindre dans la ferme. Non, ma Black Beauty, restez dans le blogging. Restez dans le blogging. Je vais les laisser dans le blogging, non. Je suis à la ferme. Je suis à la ferme. On va aller à la ferme et chercher à devenir des rentiers. Non, moi, je pose. Même dans rentier, là, on dit que c'est la mythomanie, que c'est le paflotage. Mais on fait le paflotage comme EK. Au moins, ça nous élève, maman. Est-ce que tu t'assois à la même table? Les gens fatiguent, les gens. Tu en as peur de toi. Quand tu dis que hey, partout, c'est la dangereuse, la plus mauvaise. Oui, parce que non, il faut être haineuse pro max. Voilà, si Lolo, tu étais haineuse pro max comme moi, est-ce que ce genre de choses pouvait lui arriver? Non, il faut être haineuse pro max. Tu as l'impression qu'on dit que oui, je suis haineuse pro max. C'est de ça qu'il s'agit. Tu fais. Oui, Lolo s'est vendu moins cher. Je pense qu'elle n'aurait pas dû. Je pense qu'à partir de 2023, là, l'année prochaine, il faut qu'elle mette vraiment des. Faut qu'elle mette des bases. Elle doit mettre la barre très haut. Franchement, elle doit snobber à la limite. C'est pas interdit de snobber, hein, Lolo. S'il faut snobber, même tu snobes. S'il faut narguer, tu nargues même. Et puis ça chauffe pas. Oui, propre. Et tu sélectionnes. Tu sélectionnes à qui tu dis bonjour, à qui tu dis pas bonjour. Tu passes. Et même dans les contrats. Parce qu'aujourd'hui, on se met à la salique. Oh, elle a la diaspora, elle est ce qu'une fille qui est au pays et tout. Même dans les contrats. Hein. Les miettes, tu ne regardes pas ça. Quelqu'un te propose, mais d'ailleurs, tu dois commencer à être inaccessible. Hein. Tu dois plus être accessible. C'est des choses comme ça. Quand tu vois une comme EK qui est arrivée après les Lolo et tout ça, là, ce sont des blogueuses qui ont toutes des managers. Hein. Parce que si Lolo avait un manager, par exemple, bon, la fille là, allait croiser Lolo pour dire que prends 100 000. Elle n'allait pas croiser Lolo pour lui demander 100 000. Oui, elle allait parler avec le manager de Lolo. Voilà, propre. Le jour où j'étais à la reine, mais quelqu'un a vu, comment il s'appelle là, à Poutchou. Mm-hmm. Je lui ai posé une question, il me dit qu'il faut voir mon manager. Il dit, aime le père, il dit que lui, j'aime. Merci, ma Black Beauty. Merci. Donc, on remet ça aussi sur Lolo. Si elle-même, elle était au pays, voilà. Regarde, EK s'est déplacée là au pays. Elle avait son garde du corps et sa directrice de communication. Elle s'est déplacée avec les deux. Tu as vu? Elle a pris son. Elle est partie au Cameroun, à Abidjan, avec sa directrice de communication, plus son garde du corps. Elle est partie avec les deux. Donc, si tu vois que si Lolo aussi se déplaçait comme ça, là, avec son manager, même seulement avec son manager, tu penses que Clarisse et Yenga, là, elle allait voir Lolo ou pour lui dire que prends 100 000, fais la publicité de mes produits. Par où, comment? Par où, comment? Elle allait parler avec le manager de Lolo. Elle n'allait pas avoir accès. Elle allait passer par où pour dire que je clash Lolo? Non? Bien sûr, c'est ça en fait. C'est parce que des gens, on est trop accessible facilement. C'est un gros problème de professionnalisme. Tu prends la grosse tête, tu es hautain. Quand tu es aussi accessible, voilà alors les conséquences. Finalement, on fait comment alors? Non, il faut prendre la grosse tête. Il faut te sentir. Tu sais que tu te sens. Tu nargues. Tu te sens. Oui. Il ne faut pas avoir peur de se sentir. Tu te sens. Tu vas contacter, tu vas contacter. Et tu dois connaître ta valeur. Tu dois connaître ta valeur, tu te sens. Aura. Et puis ça chauffe quoi? Ça va chauffer de quoi, ma tête? Regarde-toi quand par exemple tu organises tes événements. Mm-hmm. Est-ce qu'aujourd'hui n'importe qui va te contacter pour dire que partout je vais être ici? Non. Et pause publicitaire, ma Black Beauty. Pause. Pause publicitaire. Alors, je profite de cette tribune hein, pour vous dire que nous sommes à l'aube de 2023, vous savez. Je ne suis pas promotrice événementielle, je ne le suis pas encore. Vous savez, j'ai l'humilité par rapport à ça. Il faut prendre beaucoup de recul et beaucoup d'humilité. Moi, je suis arrivée dans le showbiz et dans la jet set camerounaise, ivoirienne et puis congolaise. Pour l'instant, j'ai fait un premier événement
Je ne me sens pas encore promotrice événementielle parce que l'année 2023 sera une année de challenge encore, pour un nouveau challenge. Pourquoi? Parce que je reprends la même salle, la fameuse salle à 19 000 euros que vous connaissez déjà au Salon Hoche, la salle complètement du dessus. C'est un challenge pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de manquements à corriger. Vous savez, quand c'est un premier événement, il y a des manquements, il y a des ratés, il y a des échecs. Donc, j'ai pas mal de choses à corriger. Et ça sera un gros challenge pour moi. Et beaucoup de personnes m'attendent au Carrefour. Donc, je dois réussir ce challenge, c'est-à-dire recevoir mes 400 convives. C'était l'année prochaine de 2023. Réparer plein de manquements, tout ce qu'il y a eu comme manquements et tout ça. Et en plus de ça, apporter du nouveau et apporter de ma touche personnelle et apporter beaucoup d'innovation dans mon événement. Comme vous le pouvez déjà le constater, je vous l'ai déjà dit, j'ai commencé déjà à expliquer ce qu'il y aura du nouveau. C'est qu'il y aura la montée des marches officielles, de façon officielle, parce que vous savez, sur ma, pour accéder à ma salle, il y a plusieurs marches, une soixantaine de marches environ. Que je vais officialiser, c'est-à-dire que ça sera une montée de marche de façon officielle avec de la sortie de la limousine de mes marraines et parrains jusqu'à la montée des marches. Ça sera un cheminement officiel avec, bien sûr, les caméras de part et d'autre, hein, comme la montée des marches des cannes, de cannes. Voilà. Et il y a beaucoup d'innovations que je souhaite apporter et beaucoup de travail. Je me concentre franchement pour mon événement. Réussir à éponger mes manquements, corriger mes manquements, voilà, c'est ce que je vais dire. Corriger mes manquements, apporter mieux et faire mieux. Et je compte sur vous, mes 400 convives. La première des choses, le premier cadeau que je vous demanderai, mes convives d'amour. Mes convives d'amour, mes précieux 400 convives, si vous voulez que je m'occupe de vous, de chacun de vous, et que je corrige chacun de mes manquements, et que je vous apporte de l'innovation, que vous me portez comme je vais vous porter, bien évidemment, je vous demanderai un gros cadeau, c'est la ponctualité. Vous savez, dans les événements qu'on organise, ce qui manque beaucoup, c'est lorsque les convives arrivent très en retard. Et que si on fait des choses, si vous me donnez seulement la ponctualité, je ne vous demande pas grand-chose. Je ne vous demande pas, voilà, la tour Eiffel. Je vous demande seulement la ponctualité. Si vous êtes tous ponctuels, on arrivera à faire de belles choses. Je vais me donner à fond pour vous. Et ça sera très bientôt, en 2023, je vais vous annoncer mon événement. Et comme je vous ai dit, je ne suis pas encore, je n'ai pas encore cette immunité-là. Je ne peux pas vous dire encore que je suis promotrice événementielle. Je travaille avec mon équipe. Nous sommes en train de rechercher la meilleure date possible et imaginable. Vous savez, dans le showbiz, il y a des dates à respecter. Donc, je m'engage également à respecter les dates de mes autres collègues promotrices événementielles. Nous sommes en train, mon équipe et moi, bon, moi par exemple, j'ai mon manager, j'ai mon coordinateur général et plus moi la promotrice, l'aspirante promotrice, je suis promotrice en herbe, je ne suis pas encore promotrice, il faut que je réussisse tous mes challenges et même la réussite de mon événement de 2023, j'ai l'humilité de vous dire que je ne serai pas encore promotrice parce qu'une fois que je l'aurai réussi, il faudra la confirmation en 2024. C'est à partir de 2024 que je vais commencer à dire, OK, je suis promotrice événementielle. Donc, je me donne le temps de travailler. Je me donne le temps de corriger les manquements de ma première édition. Je me donne le temps d'apporter les innovations, de réussir ma deuxième édition de 2023 avec toutes les innovations que j'apporte, réussir le timing parce que la plus grosse réussite c'est le timing avec mes convives, les convives de toutes les soirées en fait qui ont du mal à arriver en retard à l'heure et qui sont toujours en retard. Vous savez, les gens adorent bien arriver dans les événements à 2h du matin, mais mes chers convives d'amour, mes 400 convives, je vais vous dire, quand vous arrivez à 2h du matin, c'est super tard parce que vous avez raté pas mal de choses. Donc, je vous demande la ponctualité, mes amours. Pour cette fin d'année, ce que je vais vous faire, c'est de vous demander un seul cadeau. Donnez-moi la ponctualité seulement. Soyez ponctuels
pour l'année prochaine, en 2023, au prochain Salon Auch. Ne l'oubliez pas, je valorise l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat au féminin en particulier. Vous connaissez mon projet, c'est un événement caritatif. Vous connaissez mon projet, c'est avec la création de ma microfinance. Avec ma création de ma microfinance, vous savez, je valorise tellement l'entrepreneuriat que je sais qu'il y a des jeunes filles qui ont des difficultés. Vous voyez, là, on parlait des commerçantes, des jeunes commerçantes du pays. Elles ont des difficultés à lancer leur petit commerce parce qu'elles n'ont pas l'accès au financement. Le financement, c'est un gros problème. Et mon projet, mon salon, prochainement, ça sera un projet caritatif parce qu'une partie de mes bénéfices partiront dans ma microfinance avec le financement de plusieurs petits projets comme ça pour les jeunes entrepreneurs, pour les jeunes boss ladies qui se lancent et qui ne peuvent pas trouver le financement. Donc, je consacrerai particulièrement cette partie caritative à booster l'entrepreneuriat des jeunes filles, des jeunes boss ladies qui se lancent dans le commerce, dans des activités, des activités commerçantes et tout ça. Bref, voilà. Et franchement, pour l'année prochaine, je me concentre vraiment sur mon travail entre l'investissement immobilier, entre la partie événementielle, entre toutes mes activités, mes multiples activités que vous connaissez. Mes 400 convives d'amour, je vous donne rendez-vous en 2023. Je vous aime, je vous adore. Je suis Patricia Gemmel, future promotrice événementielle, promotrice événementielle en herbe, promotrice événementielle en devenir, qui travaille dur pour le devenir. Voilà. Donc voilà, c'était la pause publicitaire hein, pour mon événement qui sera... Ah, Tata Lolo est là. Tata Lolo est là, mais je ne sais pas si ça va prendre la Black Beauty. Je vais voir si ça va prendre. J'ai bien écouté, donc je serai ponctuel. Maintenant, on va être ponctuel. Oui, mais tu sais, les convives aiment toujours arriver en retard. Les convives aiment toujours arriver à 2h du matin. Donc, s'ils arrivent à 2h du matin... Non. Il faut arriver à l'heure. Bonsoir, Tata Lolo, tu vas bien? Bonsoir. Je suis en train de me préparer pour mon direct de 20h. Oui, je viens de l'annoncer que tu as direct à 20h, je l'ai dit. Là, il est déjà 19h, là. Patricia, je vais d'abord te dire merci, hein, merci pour ton live. Je n'ai pas tout suivi parce que tout à l'heure, j'étais là, je t'ai envoyé la débat, tu me disais que non, tu n'es pas connecté ici, tu es connecté par là. Bon, tu sais, quand on se retrouve face à une situation comme ça, on ne manque pas de dire merci à ceux qui sont du bon côté, ceux qui comprennent, qui trouvent là, parce que je ne m'entends pas avec X ou avec Y, et ils sont dans le civisme moutonnier ou dans la haine sur ce point, parce qu'on en va à Google, alors une campagne de sabotage n'est pas en place, voilà. J'avais juré sur mes parents que je ne parlais pas de cette affaire. Quand j'ai eu la veuve, j'avais le téléphone, mais vu que cette fille a fait une sortie, je suis dans l'obligation de donner mon témoignage dans le titre, c'est bon de randonner ma version des faits. Oui, oui. Les réseaux sociaux et les jeux à la Duval. Tu connais Duval, non? Tu as entendu parler? Oui, oui, bien sûr. Ouais. Voilà, c'est le mec qui, quand sa femme était morte, il pleurait plus que tout. Bon, il était le mari malheureux, le mari que tout le monde soutenait, jusqu'à la belle-mère, la belle-famille. Et tout est consort, mais c'était devant BFM TV, toutes les télévisions françaises. On fait passer cette image-là de voir un homme effondré parce qu'il essaie de sa femme dans les circonstances. Pourtant, c'était lui-même le meurtrier de sa femme. Mm-hmm. Alors, cette femme, la Billy Duval, parce qu'elle incarne cet homme. Voilà, c'est elle l'objet. C'est elle Duval. Donc, j'ai décidé de sortir et de parler de ça. Sinon, franchement, j'avais dit qu'elle peut parler tout ce qu'elle veut. Tant qu'elle est faite par un état et tout ça là, moi je ne vais pas me perdre mon temps, aller sur Facebook, commencer à m'expliquer tout. Tu sais, la stratégie c'est que Lolo c'est une bloqueuse qui fait peur. Lolo c'est une bloqueuse, une menace pour les blogueurs de ces milieux restreints dans le public camerounais. Comme tu as dit tout à l'heure,
Une fois que j'ai commencé les émissions, ça commence à sortir de partout. Ils ont dit, d'autres ont même dit qu'ils ont pu mon émission après mon père. Je leur ai dit que vous n'êtes pas mis. Parce que pour faire une émission, il faut avoir la posture. Il faut avoir la gnaque. C'est pas grave. Moi, j'aboie et je t'active. Mm-hmm. J'aboie et je comprends. Je n'avais pas pour aboyer. Donc, quand il y a un problème, d'autres ont dit qu'ils sont venus faire la campagne jusqu'à parce qu'ils ont été incapables. Il a fallu, moi, je ne suis pas là pour accuser ou accuser Ukraine. Ce n'est pas un diamant que je bouffe. Ce n'est même pas que je vais me justifier ce qui est sur toi. Si je parle, c'est parce que cet homme a fait une sortie. Et dit comme quand tu as quelqu'un avec qui tu as fait des business, sort. Et il explique sa version. C'est nous que tu expliques ta version. Parce que ce n'est pas pour elle. C'est pour cette personne-là qui venait acheter les cheveux chez moi. Oui. Parce que elle croit vraiment qu'elles se sont fait escroquer par moi. Parce qu'elles ont eu confiance en moi en venant commander ces cheveux-là. Mm-hmm. Voilà. Elle est venue donner sa version de Patricia. Ce que je vais dire ici aujourd'hui, c'est que cette femme, je dis qu'à partir d'aujourd'hui, les personnes qui parlent avec douceur, je vous l'ai toujours dit, les gens qui parlent avec douceur, là, c'est des personnes très, très dangereuses. Je peux faire un chien qui aboie et qui ne mord pas, mais le chien qui n'aboie pas peut déchirer, manger même l'homme. Tu comprends? Mm-hmm. Cette fille, je ne lui ai jamais dit que. Je lui ai dit que si tu vas aller dans les réseaux sociaux, je suis prêt d'aller me répondre dans les réseaux sociaux. Elle m'a juré d'envoyer les messages que je n'irai jamais sur Facebook avec ton nom. Mm-hmm. Je ne connais personne sur Facebook. Pat, cette fille a pris l'argent le samedi 24 à 16h45 à l'agence. Elle est sortie avec l'argent. Elle s'est assise dans la voiture. Ma chérie, si je veux entrer dans ton commerce, même un paquet, tu ne dois pas vendre. Mais quand je suis personne de bonne foi, je ne sais pas faire ça. Je vais te laisser. Après mon direct, je vais le laisser. Dieu va faire son travail. La bonne foi déjà payée, qui en a vu. D'accord. Quand tu as fini le direct de samedi, c'est là. Tu vas encore dire quoi. Et là, le problème, c'est quoi? Tu sors les produits de Jansa. Tu dis que tu m'avais acheté les produits de Jansa. Je te faisais gagner les sous que tu n'avais jamais gagné auparavant. Non, le débat n'est pas là. Tata Lolo, le débat n'est pas là. Le débat est clair. Est-ce que si tu réclames l'argent de produits des gélules, tu es obligé de sortir les inbox ou je t'ai dit que va acheter. Parce que la fille sait que. Oui. Elle sait que ce qu'elle raconte de moi, c'est faux. Donc, un moyen maintenant de distraire les gens, c'est de ramener l'audience. Maman, même moi, même quelqu'un, quand je ramène mon audience, tout le monde achète dans mon pied. Même celles qui sont en cours, là, c'est ta propre. Je m'alasse. Et c'était même pas bon. C'est un truc comme. Tellement, mais tu as vu mon thème, il est dans la route, tu sais que tu vas payer le prix en concours. Ça, j'ai envoyé. Ça, c'était gratuit. Tu sors du cadre, tu entres dans le cadre. Non, elle est sortie du cadre. Parce que là, maintenant, elle est encore sortie du cadre. Maintenant, elle dit que. Elle payait les répétiteurs de l'enfant de rêve qui est au pays. Elle est encore sortie du cadre. Nous, on n'a pas besoin de savoir que Rêve Ndiaye a un enfant au pays. Elle dit que c'est elle qui paye les répétiteurs de. Tu vois que nous, elle est venue dans le clash. Elle est venue dans le clash. Parce que si tu réclames 254 000, réclame 254 000. L'utilité que. Donc, j'ai pris un exemple avec la Black Beauty, non? Si je me clash avec la Black Beauty. Donc, si la Black Beauty un jour m'avait dit que Patissa, je suis au marché de Sarcelles, ou bien je suis au marché de Saint-Denis, je lui dis ok, comme tu es au marché, achète-moi la robe de 8 euros. Donc, elle va venir aussi déposer ça sur Facebook parce qu'on est en train de se clasher. Non, le débat n'est pas là. Elle est courue au mur. Elle ne sait plus quoi dire. Elle est obligée d'inventer tout ce qu'elle invente, la Patricia. Elle invente tout ce qu'elle invente, la Patricia. Elle n'a pas besoin d'attendre. C'est encore plus ridicule parce que... Si tu réclames... On ne va pas charner sur son... Qu'elle soit ridicule, pas c'est elle qui a voulu qu'elle soit comme ça. Donc, on ne va pas... c'est plein de poils puisqu'elle est majeure, c'est ce ben non, pas du tout. Belle. Mon père, elle a pris l'argent à rien. Elle a pris la fille. Un policier avec mon père, mon père, la fille derrière, elle dit que lui, on était là samedi, elle a pris l'argent, elle est sortie, elle était dans sa voiture. La fille a tout dit. Lolo, c'est là qui est grave. Si elle a pris cet argent de Ria, et elle vient dire qu'elle n'a pas... Parce que Amel Kamel lui a posé la question. Lolo te doit combien? Elle a dit 254 000 francs CFA. Mais si tu as pris les fameux 200 000 que Lolo avait envoyé, ça veut dire que c'est là où c'est grave. Il faut que
train de nous dire si elle a pris cet argent-là. C'est là le vrai problème. Oui. Le jour qu'elle fait le direct, elle sort de Ria, prend de l'argent, l'argent est sur elle. Oh. Et c'est là où c'est grave alors. Non, elle a l'argent, et puis c'est là où elle a lancé le live après. Voilà, entre le temps à laquelle elle a pris l'argent à l'agence et le temps à laquelle elle a lancé le live, il n'y a pas eu beaucoup d'écart. Bon, Lolo, maintenant moi je te pose encore une autre question. Moi, j'étais en train de parler par rapport au blogging. À partir de ce type d'instant-là, j'ai reproché le fait que ce n'est pas été professionnel. Premièrement. Avec les Ivoiriens. J'aime pas ce côté-là. Avec qui, les Ivoiriens? Non, 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 Lolo. Lolo, je t'arrête tout de suite. Je vais te poser une question. J'ai parlé des Camerounais bien même. J'ai dit que pourquoi elle n'est pas allée voir Poupi? Poupi n'est pas ivoirienne. Pourquoi elle n'est pas allée voir Poupi? Non, Lolo. Pourquoi elle n'est pas allée voir Poupi? Lolo, il y a les influenceurs au Cameroun, non? Oui. Dans l'avion. Tata Lolo, vends-moi aussi le rêve un peu, non? Je parle aussi des gens, je vous ai sur les réseaux sociaux, non? Avec la soeur de compte, avant, il n'y a pas un manager, hein? C'est elle qui demandait qu'on voit au OM. Oui, mais c'est justement ça qu'on doit commencer. On doit commencer à effacer. Mais Tata Lolo, sens-toi aussi un peu, non? Sens-toi, fais un peu le nyanga, non? Toi aussi. Sens-toi un peu, non? C'est justement pour ça qu'on dit qu'il faut qu'on arrête ce qui est amateur, qu'on passe tous en professionnel. Pourquoi tu ne veux pas qu'on te passe en professionnel, Tata Lolo? Donc, le problème, c'est que toi, tu veux rester toujours accessible comme c'est là. Parce que si elle n'avait pas accès, bon. Oui. Est-ce que je suis blogueuse? Tata Lolo, moi je suis pas blogueuse, je suis fermière. Je suis pas blogueuse. Non, pas du tout. La coach Evan, c'est la reine Medio. Non, en fait, c'est que Lolo, là où tous les Lolomania, il y a les Lolomania qui sont en train de commenter. Lolo, ce qu'on veut te faire comprendre, c'est que mets ta valeur up. Upgrade un peu ta valeur toi-même. Tu dois upgrader ta valeur. Lolo, ce qu'on veut te faire comprendre, c'est que arrête d'être accessible. Trop d'accessibilité, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Trop d'accessibilité. Mais si, c'est ce qu'on est en train de te faire comprendre. Laisse l'histoire d'accessibilité que oh, c'est ma soeur, oh, c'est ceci, oh, c'est cela. Tu m'as posé une question claire. Tu as fonctionné avec moi, avec Napissima Beauty. Tu as fonctionné avec l'autre fille, que la fille des gélules là. Maintenant, à partir de 2023, fais Non, j'ai parlé d'Adrienne et Sandrine. J'ai parlé de ce site internet. Moi, j'aime bien le site internet d'Adrienne et Sandrine. Oui. Voilà. Non, Lolo, moi je pense que... Julie, c'est quelqu'un que tu travailles avec, elle n'est pas dans les histoires que... Ou par exemple, même Rêve Mbiaye, si quelqu'un veut un contrat avec toi, par exemple, ça n'empêche pas que la personne passe d'abord par Rêve Mbiaye. Voilà, parce qu'avec Rêve Mbiaye, la personne va signer tous les contrats là-bas et maintenant... Voilà, c'est tout ce qu'on te demande, hein. Si c'est plus professionnel, si quelqu'un sait que si elle veut signer quelque chose avec, si elle veut que tu fasses un post, sa pub, tu peux dire à la personne que ok, voir Rêve Mbiaye. Voilà, parce que nous savons qu'avec Rêve, la fille, elle dit que ok, maintenant sachez que ma soeur a changé,
Maintenant, avec ma soeur, voilà comment on compose. Si tu veux faire un poste publicitaire, voilà ce que tu dois payer, voilà le montant et tout. C'est plus carré et c'est mieux. Et comme ça, toi, tu as moins les maux de tête. Oui. Ah oui, ah oui. Tu vois, non, Lolo, comme ça, quand tu as moins les mieux, tu auras moins les maux de tête comme ça. Hein. Voilà. C'est ce que je voulais te faire passer. Que si tu upgrades un peu, si tu upgrades, tu. Écoute-moi un peu la blague. Tu sais, Patia me parlait, me parle. Parce que c'est mon père avec qui me débrouille. Mon père, lui a appris à parler à son enfant sans se comparer à l'enfant de l'autre. C'est un peu pour nuire. Tu sais, le truc là, c'est. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, c'est pour. Ça peut détruire quelqu'un psychologiquement. J'ai pas l'habitude de la regarder. Mais ce qu'elle fait, ça ne m'intéresse pas. Elle ne me place pas. Parce que tout ce qu'elle fait, il y a le faux, comme il y a le faux, tout ce que moi aussi j'ai fait. Donc je suis pas là pour regarder. Parce que en tant que ma soeur camerounaise, ma soeur africaine, elle peut constater quelque chose. Elle m'appelle en réponse, elle me dit ce qu'elle ressent. Pas me comparant à l'autre. Parce que l'autre, tu n'es pas sûr que ce qu'elle fait est parfait. Il faut faire très attention. Tata Lolo, tu n'es pas comparé à celle-là. Tu n'es pas comparé à celle-là. Mais j'estime que les chaînes de télévision peuvent aussi t'appeler. Ce n'est pas interdit si les chaînes de télévision t'appellent. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Beaucoup d'enfants dans les familles avaient le mot que fais comme ta copine qui est à côté là. Ta voisine fait mieux que toi. Et ça déroutait beaucoup d'enfants. Si tu veux me donner un conseil à moi, évite de mettre pour d'autres personnes. Tu m'appelles ou tu le fais en direct. Tu dis que Lolo, tu te donnes ce conseil sans tout me comparer à Is ou à Y. Le conseil est donné en direct. Nous, on estime que, en fait, moi, j'estime que ce n'est pas mauvais si ta soeur, tu délègues certains contrats à ta propre soeur rêve. Ce n'est pas mauvais. Moi, je te donne ce conseil-là en direct. Fais comme quel autre rêve. Elle fait comment? Puisqu'elle veut mettre ce que c'est. Excusez-moi, c'est business. On a vu sur le capture des carreaux, elle dit que c'est avec une fille. Elle-même, la même personne dont tu parles là, ça a cuit sur elle. Elle-même, ça a cuit sur elle. C'est pour ça qu'elle est venue en direct, non? Ça a cuit sur elle. Voilà. Ça a cuit sur elle parce que la soeur de l'autre star l'a contactée, elle. Mais ça a cuit sur elle. On a vu aussi, justement, c'est parce que ça a cuit sur elle qu'elle s'est plainte. Elle s'est dit que, ah, donc elle accepte de travailler avec les petites marques du quartier et tout. Elle a accepté ce partenariat. La preuve, ça a cuit sur elle puisque la femme est venue la déposer. Propre. La femme est venue la déposer, elle est sortie pour répondre. Ça a cuit sur elle également. Donc, le message va vers toi. Ce n'est pas mauvais. Si tu prends un manager, n'aie pas peur. Si ta propre petite soeur est ton manager, ce n'est pas mauvais. Si ta propre petite soeur négocie tes contrats, ce n'est pas mauvais. C'est bien. Tu peux regarder comme ça. Et puis, n'aie pas peur qu'on te dise que non, les chaînes de télévision peuvent t'appeler. Pourquoi tu as... Non, les chaînes de télévision peuvent aussi t'appeler. On a le droit de te valoriser. Peut-être pas qu'on parle... Vous avez tendance... À voir le système ivoirien et à vouloir comparer ça au système camerounais. Tu sais, nous sommes dans deux sociétés bien différentes. La société ivoirienne est plus émancipée que la société camerounaise. La Côte d'Ivoire, il y a déjà des années, avant, peut-être il y a 40 ans aujourd'hui, les Africains, quand ils partaient en Côte d'Ivoire, ils croyaient qu'ils étaient à Paris. On appelait la Côte d'Ivoire Petit Paris. C'était un pays où tous les Africains rêvaient d'y aller. Donc la Côte d'Ivoire, c'était un peu comme la capitale de l'Afrique, dans l'Afrique saharienne. Donc c'est pour te dire que le système ivoirien n'est pas comme le nôtre. Tata Lolo. Laisse-moi finir de t'expliquer. La moitié de la population ivoirienne est étrangère. D'accord. Dans un pays où tout le monde est divers, tel que tu peux trouver les Libanais, les Français, les machins, les gens sont plus émancipés parce que c'est un mélange de cultures. Les gens acquis beaucoup, ils acquièrent beaucoup de choses. Donc, c'est pour te dire que l'ivoirien, on peut facilement prendre une blogueuse et venir à travers la télévision ivoirienne sans qu'il y ait un scandale. Mon Cameroun, ce n'est pas pareil. Parce que si on devait commencer à faire, regardez Emma Louès qui est une influenceuse ivoirienne. Elle a fait une émission qu'on appelle le Bachelor. Tu crois que Coco Emile ne peut pas faire une émission comme ça? Nathalie Poin ne peut pas faire une émission comme ça? Est-ce qu'elles sont dans la saleté? Est-ce que Nathalie Poin, elle a eu à faire un scandale après, mais après elle s'est rangée. Est-ce qu'elle ne peut pas faire une émission de télévision? Pourquoi on ne l'invite pas? Parce qu'il y a quelque chose qui a collé à son nom. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle va se présenter là-bas, les Camerounais eux-mêmes vont s'indigner. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Les Camerounais eux-mêmes vont s'indigner, soit disant que, regarde d'abord la télé. Tu as parlé de ça tout à l'heure. Je vais me perdre, je vais oublier ce que j'ai envie de dire.
Parce que quand Nathalie Coué est partie à l'université catholique, elle est arrivée là-bas. Regardez le scandale que ça fait dans les réseaux sociaux. Regardez le scandale que ça fait. C'est pour te dire que, mais en Côte d'Ivoire, Emmanuel Ouest pas battu, il n'y a pas de scandale. C'est parce que c'est les gens qui sont émancipés. On ne peut pas nous prendre la télévision n'importe comment. Pareil pour Coach Amon. Coach Amon est à la télé. Elle a fait la saison 1. Et l'autre aussi, Yves Hidero est à la télé depuis. Nos mentalités ne sont pas pareilles. C'est ça qu'on est en train de citer, non? C'est les exemples. Yves Hidero est là-bas aussi à la télé. Arrêtez de comparer le modèle ivoirien et le modèle camerounais. Ce n'est pas pareil. On n'a pas les mêmes cultures. On n'a pas les mêmes façons de vivre. Le Cameroun, la population est camerounaise. À 99% est camerounaise. Chez les Ivoiriens, la moitié de la population est étrangère. Il faut un mélange de beaucoup d'ethnies, de pays. Libanais, français, chinois, tamoul, on les appelle encore les gens qui on les appelle encore les faux blancs là. Il y a les Maliens, il y a les Sénégalais, il y a les, tout ça. Ça fait que c'est un monde, les cultures sont. Il y a les changements des cultures. Ce qui fait que l'Ivoirien a plus les yeux ouverts. Les Camerounais qui vont en Côte d'Ivoire. Ça fait que les Ivoiriens sont plus émancipés que les Camerounais. Et c'est la même chose avec les Gabonais. Les Gabonais sont émancipés au niveau que. Le Gabonais peut dire que le Gabonais ne fume la cigarette au marché, les gens ne crient pas sur elle. Au Cameroun, essaye de fumer la cigarette au marché, mon pied sur toi. C'est pour dire que nos mentalités sont différentes. La télé, si je vais, regarde seulement le fait qu'on me vit, c'est moi dans une petite émission. Comment ça se passe? Les problèmes commencent graves. Voilà. C'est le même parce que regarde seulement quand une blogueuse me parle. Dans un truc, on dit que ça commence à se. Tu crois que ces gens n'ont pas besoin de nous inviter? C'est eux en vie de s'afficher avec nous, de nous inviter, mais ils ont peur des représailles, de la réaction des Camerounais. Parce que le Camerounais a encore gardé ce côté, les coutumes, les valeurs, les ceci, les cela. Ce qui fait que ça bloque l'évolution des blogueuses camerounaises. Quand tu vas voir Muriel Blanc n'est pas une Camerounaise, une blogueuse. Elle est une influenceuse, en même temps une actrice. Une actrice, tu oui. Vois, elle, voilà. Je me demande si elle n'est même pas elle est encore productrice. Peut-être elle est productrice. Voilà. Regarde la petite, sa copine là-bas, on l'appelle Poupi. Poupi, elle a du mal à se lancer. Parce que la fille avec qui elle a commencé, elle est dans les grandes séries. On la lance dans les grandes séries. Mais Poupi, peut-être Poupi n'a pas quelque chose qui peut comprendre ce que sa copine fait. Parce que, tu vois un peu, je vais te dire pourquoi Poupi n'arrive pas. Parce qu'elles n'ont pas la même posture. Les Camerounais, ils aiment les femmes qui sont. Que quand elle l'entue, et les femmes, elles ne pas avec sa patrie, les femmes qui ont de la prestance. Je pense que Poupie est maintenant productrice. Poupie est productrice non, maintenant, je pense. Non, même si elle devient productrice, c'est juste pour ça, ça ne permet pas de produire grand chose. Donc quand je dis Muriel Blanche et Poupie, le niveau est élevé. Il y a la différence entre les deux. Parce que Muriel Blanche, quand même, elle a déjà un peu. Elle a dépassé sa copine de loin. Parce que. Muriel Blanc, quand elle est quelque part, tu ne peux pas avoir la prestance, il faut avoir la taille. Tu vois que les femmes de petite taille, elles ont souvent elles aiment porter les talons pour allonger un peu la silhouette, tu vois un peu. Donc, ce qui fait que quand tu vois Poupie, elle a tout, elle a l'humour, elle sait faire sa comédie, elle fait son cinéma, pareil pour sa copine, mais il y a quelque chose qui les diffère, tu vois un peu. C'est pour te dire qu'au Cameroun, les blogueurs. Il nous faut peut-être c'est la génération future qui auront cette chance-là. Mais nous, là, laissez-nous comment faire notre voyage sur Facebook. Et on te dit que pas. Ce n'est pas peut-être assez ma télévision. Ma télé, ma page, j'ai même plus regardé que certaines télévisions au Cameroun. Il faut faire très attention. Il ne faut pas qu'on reste dans le complexe. Il y a des gens qui ont créé la TV Web, qui gagnent leur argent et qui embauchent même les gens pour travailler avec eux. Internet, c'est une plaque tournante qu'on a plus besoin de la télé pour se faire connaître. D'où la valorisation de ta télé. Voilà pourquoi quand tu as recommencé tes émissions, j'ai été contente que tu reprennes tes émissions. Parce qu'avec tous les intellectuels qui sont en Côte d'Ivoire, pourquoi on va choisir Coach Amon? C'est parce qu'ils ont vu le succès des réseaux sociaux. Ils amènent là-bas, sachant qu'ils auront l'audience, plus d'audience de la vie réelle, la vie normale. Ça fait que les deux sont... Voilà. Donc, je peux te dire que les années futures, nos blogueurs, ceux qui vont nous succéder, peut-être auront cette chance-là quand les mentalités auront changé. Mais, ce que tu dis, c'est une bonne chose. Tu nous encourages. Tu nous encourages à voir un management. Je vais le faire. C'est une vérité. Et pour ma télévision, Pat, nous sommes en 2022. Je vous ai promis des choses. L'aime avec notre télévision, avec votre appui, comme toi tu aimes trop à ton verre.
Nous allons faire de bonnes choses à partir de 2023. T'inquiète pas. Et comme je te l'ai dit, ta Web TV peut être la Web TV qui est sollicitée pour la chaîne en Algérie, ou alors qui est sollicitée pour je ne veux pas travailler dans une télévision camerounaise, s'il te plaît. Non, je parle de ta Web TV à toi. Je dis ta Web TV, toi, peut être, on peut choisir ta Web TV, c'est-à-dire ta télé, Tata Lolo TV, pour couvrir la chaîne. En Algérie, ou alors pour couvrir la CAN en Côte d'Ivoire. On ne sait jamais, on ne connaît pas les contrats que ta télé peut avoir. Puisque toi, maintenant, tu es une Web TV. On le faire selon le moyen de. On n'a pas besoin de traiter avec quelqu'un. Hein. On ne sait jamais qui peut te proposer ce contrat, mais bon, ça peut arriver aussi. Le Web donne l'argent. Le Web donne l'argent, Patricia. Le Web donne l'argent. On n'a pas besoin de ces gens-là. Une fois que tu es concentré, tu n'auras besoin de personne. S'il y a une CAN, toi-même, tu te dépêches avec tes employés. Voilà, et vous partez couvrir la CAN ou la chaîne. Il y a la chaîne là bientôt. Tu n'as pas besoin d'être invité par ici ou par Y. Non. Tu pars, si tu organises, tu dis que tu es mes deux caméramans. Ben, viens l'avion pour mes deux caméramans. J'ai celui qui est là pour la logistique. Un billet d'avion pour lui. Et moi-même, on organise, on prend un petit appartement meublé. On se bat là, on s'entraîne, on fait nos montants. Et si tu n'as pas de financement, tes abonnements ou bien tes abonnés peuvent même financer même ça. Hein? Bien sûr. Voilà, comme ça vous vous déplacez pour la chaîne, vous vous déplacez pour la ou même d'autres événements, même si c'est pas sportif, mais d'autres événements vous vous déplacez et c'est financé par tes abonnés. On a des projets à venir, hein. On a beaucoup de projets, mais on va plus en parler dans les réseaux sociaux. On va juste faire la surprise aux gens. Maintenant, ce que j'en ai dit, c'est que Patricia, vraiment merci, merci pour le soutien, merci pour tout, mais ma chère soeur, ce n'est pas facile. Tu sais ce qui me fait mal avec cette fille. C'est qu'elle est venue dans le clash, sans tout la dépasser, elle a perdu l'hôpital. Elle s'est retrouvée. J'ai vu une autre dame qui a fait un commentaire. On m'a fait parvenir le commentaire là. Ici dans mon direct. Non, pas chez toi. C'est les femmes qui cherchent les problèmes. Elles veulent se faire voir. Elles sont incapables d'aider quelqu'un alors qu'on les aide. Mais elles sont bêtes, elles sont nulles. Elles ne sont même pas capables de capturer même trois personnes quand elles font les lives. Mais elle veut se faire passer pour les courriages, pour les kings conçus la toile. Ah, moi, c'est. Allez, Senga, la seule chose qu'elle va te donner, viens me suivre à 20h. Si je vais entrer dans le domaine qui veut parler de tes genoux, je vais faire du sale. Mais je ne me permets plus de faire ces choses-là. Tu vas dire demain que tu avais nourri notre famille, va te trouver des clients ailleurs. Tu n'en auras plus. Moi, je m'appelle Lolo La Chance. Quand elle fait ma passe, elle ne marche pas. Mais qu'elle fait pour les autres, ça marche. C'est ça qui est mauvaise. Je m'en passe. Non. Oui. Quand elle fait ma chose, ça ne marche pas. Mais quand elle fait la chose de quelqu'un, c'est comme si j'avais dit le Guima pour faire ça. Tu as boire pour la personne jusqu'à ça passe. Ouais, Patricia et. Bobo, j'aboie jusqu'à ma femme et je lui donne. Ma chère soeur, c'est quand tu es venue faire sur la toile là, pourquoi on fait? Elles sont parties où? Elles sont venues, elles ont bavardé, on leur a encouragé. Nous-mêmes, quand c'est de l'autre côté, je n'en veux pas les adversaires. Hein. Je n'en veux pas mes détracteurs, les fanatiques de Lolo, je ne les en veux pas parce que franchement, ça me fait plaisir. Bah, ils ont souvent dit que je ne suis pas une bloquée, je ne sais à rien. On ne me connaît pas dans Facebook, je suis femme invisible. Je suis sous l'image de certaines blogueuses. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je suis même plus puissante même que ces blogueuses-là parce qu'on parle de moi partout. Si tu n'es pas une star, qui peut parler de toi comme ça? Cortez, merci pour tes étoiles. Si tu n'es pas une star, qui peut parler de toi comme ça? C'est ça, on ne parle que des stars. Donc, je suis fier de vous. Continuez à bavarder les détracteurs, les fanatiques. Continuez à multiplier les directs. Quand même m'asseoir. Ça, vous pouvez me dire, parce que quand ça fait longtemps, je n'ai même plus fait les directs. La deuxième fois, c'est ça le blanc encore ici. Il vient un peu guetter à ma paille. Ça va vous donner encore les abonnés les plus. C'est ça qui est ça. C'est ça, c'est ça. Je vais travailler avec toi. Merci pour tes conseils. Merci vraiment. Merci, merci. Parce que depuis qu'on te connaît, moi, on s'est jamais chamaillé. Et puis, c'est la fin d'année. Ça nous permet aussi de nous fixer des objectifs pour l'année prochaine. Tu comprends un peu, non? Que ta télé fonctionne mieux l'année prochaine. Voilà, moi, tu sais, je serai occupée l'année prochaine avec mon l'événementiel et tout ça. Donc, je vais beaucoup travailler. Ouais, je ne serai pas là l'année prochaine, voilà, sur les directs et tout ça. Bon, toi, à toi, je te souhaite, toi qui seras dans les directs et tout, je te souhaite bonne chance au niveau de la télé et tout. Bon, je serai là aussi.
aussi pour t'accompagner dans ces événements. Peut-être que tu auras besoin d'une publicité ou de quoi. Voilà, voilà. Et, puis, là, et on fera les contrats. Mais cette année, je viendrai t'encourager. D'accord. Tout. Dans les événements que tu auras, si j'ai la possibilité, je vais me déplacer. Surtout quand ça te concerne et que tu gagnes un peu d'argent dedans, tu feras le déplacement. Ok, merci, Tata Loulou. C'est gentil. En tout cas, merci pour le soutien. Merci à toi, Blanc Beauty. Merci à. Comment tu as fait des followers, Patricia? Mais les rentiers, les rentiers. Tout le monde a touché le milliard. Tu sais que je suis une fausse milliardaire, non? Donc, tout le monde a touché le milliard ici. Donc, les rentiers de Patricia Mel, merci de m'avoir écouté. Après, ici, rendez-vous à 20h, c'était dans le TV. Le Lomania, merci, Taïta, vous mettez les étoiles à la patte, non? Oui, ils ont mis les étoiles. Ah, c'est une Le Lomania. Merci, Cortez. Ah, Talita, merci pour tes étoiles, merci. Donc, on va basculer là-bas à 20h. Tata Lolo, après toi, comme ça à 20h, on est à l'heure là-bas de ton côté. J'ai mis, je suis quand même relax, fin de mignon comme d'habitude. Il y a une qui m'a dit qu'elle porte les habits chinois, elle dit que si elle veut, je l'emmène, je l'envoie dans mon site internet, elle va voir toutes les parties de mes vêtements. Je peux, bon, en tout cas, tout est fait en Chine, hein. Bon, il n'y a pas presque tout. Mais mon vêtement là, je mets trop italien, j'adore les italiens, ce qui fait que j'aime mettre le vêtement italien. Va bien. Ok, va t'apprêter alors. Lydie Fauquin, je crois qu'elle est Lolo Mania. Merci pour tes étoiles. On apprête les étoiles là-bas de l'autre côté parce que Tata Lolo sera en direct à 20h. Merci pour les Lolo Mania qui envoient les étoiles. Lydie Fauquin. Oh là là, les Lolo Mania envoient les étoiles déjà ici. Merci aux Lolo Mania qui envoient les étoiles. Les Lolo Mania sont en train de cartonner en étoiles ici, là, c'est grave. Donc. Merci au Lolo Mania qui envoie les étoiles et les Lolo Mania, ne l'oubliez pas, hein. S'il vous plaît, créez une communauté, portez la télé de Tata Lolo bien haut et puis qu'elle cartonne dans les émissions. Elle sera en direct à 20h, on va tous basculer de l'autre côté, vous envoyez les otales, les étoiles, vous la motivez, vous portez sa télé et puis vous les Lolo Mania, en 2023, vous faites bloc derrière votre animatrice, présentatrice, journaliste télé. Web TV, donc vous faites bloc derrière votre patronat et puis vous la poussez, vous la portez haut, vous partagez ces émissions et vous les Lolo Mania, vous qui envoyez les étoiles ici, vous les Lolo Mania, n'hésitez pas, quand vous voyez que vous avez peut-être des thèmes qu'elle peut aussi discuter dans ces émissions, vous lui envoyez les thèmes là en inbox, vous lui dites Tata Lolo, ce serait peut-être bien que tu fasses une émission là-dessus, vous portez votre star, vous la boostez, vous boostez sa télé pour qu'elle elle soit puissante au niveau du web. Voilà, et comme ça, ça va marcher. Donc, merci à toutes les Lolo Mania, et merci à vous qui envoyez les étoiles. Donc, il y a une personne là, la Black Beauty, il y a une personne qui est entrée là, c'est qui? Bonsoir. Bonsoir, je vous écoute. Oui, bonsoir Patricia, bonjour, bonsoir à tout le monde. Donc, mon nom professeur Legacy, en fait, je vis aux États-Unis, donc voilà. En fait, je voudrais intervenir aujourd'hui parce que j'ai beaucoup aimé ton analyse un peu de la situation du bloc camerounais, de la situation que vit Tata Lolo, et ça m'a un tout petit peu interpellée. D'accord. Je suis d'accord avec tout ce que dit, sur toute la ligne concernant le professionnalisme. C'est vrai que c'est un peu fait à l'informel. C'est aussi vrai que c'est un peu notre culture de toujours faire les choses avec la fête et toujours vouloir aider, mais parfois. Merci. On met ça de main, puis ça nous fait du mal. Après, un peu comme Lolo, elle a fait du bon cœur. Mm-hmm. Maintenant, ça lui revient après. Ça fait très mal. Ça me fait particulièrement très mal de voir que Lolo se fait insulter partout. Ouais. On la traite d'escroc. On commence à faire des connexions qui n'ont pas lieu d'être pour la cadrer un peu dans un cadre qui n'est pas très, qui est très péjoratif et qui est une grosse salissure sur sa personne. Mais un autre endroit aussi où je pense que le loi a un tout petit peu failli, c'est qu'au niveau de la comptabilité, c'était pas très sérieux. Oui. C'est-à-dire, c'était pas organisé, on n'avait pas une sorte d'inventaire des entrées, des sorties, du cadre en fait qui devait encadrer. Entre parenthèses, je te coupe là-dessus. Parce que dans le récit de la dame en question, Eyinga, elle-même, elle dit qu'à un moment donné, elle a dit que Lolo a dit qu'elle va prendre un calepin et elle va commencer à noter. Mais maintenant, toi, la commerçante qui envoie le produit, ouais, je pense que ouais, toi aussi, tu devrais noter aussi ta comptabilité. Parce que elle-même, dans son ouais, direct,
Regarde bien, il n'y a pas Lolo qui a failli dans la comptabilité. C'est qu'elle me met s'embrouille. Elle me met s'embrouille dans les chiffres. Ça aurait été utile à Lolo de le faire dès le départ. Donc Lolo a un petit peu failli là-dessus. Les deux ont failli. Parce que quand on demande le nombre, le chiffre exact, j'ai envie d'avoir envoyé 94, après j'ai envoyé 70, après il restait. Elle-même, qui est la commerçante, devrait tenir un papier, un cahier dans la comptabilité. Lolo aussi, de son côté, devait tenir la comptabilité. Donc, de ce côté-là, il y a eu des manquements au niveau de la comptabilité des deux. Et après, elle-même a dit que... d'insulter la mauvaise foi de Lolo. C'est pas juste. Et ça rentre un peu dans l'univers où on est, l'univers de la toile camerounaise, où il y a, le cancer métastasé des teams. Ah, c'est-à-dire que voilà un cancer. On va couper ce qui arrange pour salir l'autre. Et tu verras, quand il y a eu l'affaire, je vais par exemple, quand elle est allée sur le plateau d'Aïcha Sol, on lui a posé une question où elle a dit « Flore n'a pas publié sa vidéo, mais elle a juste montré. » Oui. Tout le monde l'a acculé là-dessus, mais quand le démenti est arrivé avec la vidéo de la reine Mère Bio, personne n'est venu soutenir le démenti, parce que non, il faut toujours noircir l'image de l'autre. Il n'y a pas de vérité là-dedans. Il n'y a pas vraiment. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc moi, ce que je dirais à Lolo, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, de par le monde, hein, qui veulent vraiment soutenir le bloc camerounais. Mais je dis pas, il y a trop de distractions. C'est-à-dire, ces salissures-là. C'est-à-dire, OK, comme tu disais tout à l'heure, si une chaîne de télé veut, par exemple, ça peut être une chaîne de télé basée aux États-Unis, ça peut être... Merci, ma chérie, merci. Un entrepreneur camerounais qui n'ont peut-être pas le passeport, mais qui veulent soutenir Lolo, qui peut dire, OK, je fais par exemple un jour, tu faisais un live sur les placements en bourse. Il y a quelqu'un qui dit, OK, je vais faire une team avec Patricia Mel quand elle fait le placement sur l'huile ou bien quoi. Moi, je vais faire le placement pour apprendre à Lolo comment c'est Lolo Mania peut faire des contrats d'option de stock. Par exemple, des marques qu'elle adore, c'est-à-dire quelque chose comme ça. Ou bien très bien même Facebook sur lequel on est, c'est-à-dire faire des placements sur Facebook et en ligne se faire de l'argent. Mais quand tu vois que oui, Lolo est sur une bonne lancée, puis demain, tu l'entends prononcer des gros mots, ça fait pas, enfin, c'est pas tout le monde qui veut coller son image à ça. Oui. Donc, j'avais beaucoup apprécié le travail qu'elle faisait d'un peu sortir de cela, parce que ce n'est pas une fin en soi, c'est quelque chose qui se travaille. Tout le monde a un passé, on dit parfois tout ça a un passé, tout pécheur a un futur. Merci. Ça veut dire qu'il faut juste qu'elle soit concentrée et évite la distraction. À un moment, il faut venir continuer, c'est-à-dire elle pouvait en fait peut-être ignorer et aussi ne pas trop s'emporter, c'est-à-dire faire des affirmations qui ne sont pas soutenues par les faits. C'est-à-dire, par exemple, dit en direct que la dame a reçu son argent en présentant la preuve, c'est-à-dire le bordereau de prix qu'il indique, que de le dire comme ça. C'est-à-dire, et peut-être elle a besoin d'encadrement des gens comme vous qui s'y connaissent un peu pour essayer de la cadrer un tout petit peu dans sa manière de faire, dans sa manière d'être. Mais il faudrait qu'elle se soigne parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent que, et beaucoup de gens, enfin des gens avec qui se discutent souvent, qui disent que on sait que la toile est mauvaise, mais on voit quand même qu'il y a de l'espoir en Lolo. Si elle se discipline juste un peu, son envol sera très déterminant pour la suite, mais il faut qu'elle sache que ce ne sera pas facile. D'accord. C'est un peu comme dans les communautés rurales, où personne ne doit être dessus. Donc on doit tous rester dans la boue. Une fois que tu essaies de sortir de la tête de l'eau, il faut qu'on fasse tout pour t'abattre. Mais non, il faut qu'elle s'arme de beaucoup de courage et de détermination, sachant que ça, c'est le normal d'une situation, de quelqu'un qui veut sortir d'un lot. Elle sera toujours tirée vers le bas, donc il faut qu'elle soit très forte. Donc, en fait, c'est ce que j'avais à dire. Vraiment un super témoignage. Et j'espère que les lolomaniens qui t'écoutent ont compris ce qu'il y a à faire. Franchement, ton témoignage est vraiment super. Hein. Vous voyez, vous avez écouté l'Elomania, vous qui avez écouté ça. Comme vous pouvez le constater, voilà quoi. La dame a fait un super témoignage. Malheureusement, je pense qu'elle est partie. Elle a dû recevoir un coup de fil. Voilà, donc Lolo a besoin de ça. Lolo a besoin de, voilà quoi, qu'elle soit mieux encadrée. Et même sa télé peut être mieux encadrée. Elle peut faire des choses mieux et puis elle va progresser, sachant que malheureusement, on aura toujours envie de la remettre dans la boue, malheureusement. Voilà. Donc, la dame a fait un très beau témoignage. Voilà. Le témoignage de la dame n'était pas mal, mais après, moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est que il faudrait que les gens comprennent. La réalité, c'est que Tata Lolo, elle n'agit pas parce qu'elle a envie d'agir, au fait. Tu vois ce que je veux dire?
Parce que la dame, elle me dit que oui, il faut que Tata Lolo se soigne, qu'elle soigne quoi. Mais le problème, c'est que Tata Lolo, tout le monde sait que c'est une personne qui a une forte personnalité. Tu vois, elle a un caractère qui est très fort. Et elle, c'est pas le genre de personne qui va se laisser marcher dessus. Donc, Black Beauty, je ne te coupe pas. Salut à toi, la blogueuse Coco Kouetou qui est dans mon direct. Bonsoir à toi, la blogueuse Coco Kouetou qui est là. Océane Lafleur qui dit, maman la filtre, mais ma chérie, tu es jalouse de mon teint naturel. C'est mon teint naturel. Va sur mes deux télévisions, mes deux chaînes, tu vas voir. Va, là, on est sur, là, on est même sur quoi? Sur officiel. Là, je te parle là sur officiel. Ça, c'est mon teint naturel. Va un peu sur... Va un peu sur Event. Sur Event, là-bas, en bas, c'est toujours mon teint naturel. Dis que maman a filtre. Il n'y a pas de filtre. C'est le teint naturel, ma chérie. Même en fin d'année, tu m'insultes, maman a filtre. C'est pas grave. Donc, moi, je disais qu'en fait, il faut que les gens soient rassurés que Tata Lolo, elle a pris carrément des décisions de changer. Et elle est en train de changer. La preuve, c'est que Tata Lolo qu'on connaissait avant et Tata Lolo qu'on voit aujourd'hui, c'est deux choses différentes. Parce qu'avant tout ce qui se passe sur la toile, là, ça aurait été le feu. Oui, oui, elle a travaillé. C'est très bien. Merci, Black Beauty. Elle travaille ça. Elle est en train de travailler son côté. Oui, oui. Je dis qu'elle est en train de travailler ce côté en elle et elle se maîtrise beaucoup. Donc, nous, on est en train de voir ça parce que je suis avec elle un peu de temps en temps. Ça veut dire que je vois une transformation en elle et elle a ce besoin de transformer parce que, de changer parce qu'elle n'a plus envie de rester au même standing. Elle rêve grand et nous sommes là justement pour l'accompagner et l'encourager dans ça. Si c'était Tata Lolo avant, ce n'est pas l'histoire qu'elle va dire qu'elle va faire le direct à 20h, c'est qu'elle a démarré sur la fila depuis le matin. Oui, oui, c'est bien. On salue ses efforts. Oh, c'est très bien. Tu as bien remarqué ça. On est en train de voir ses efforts. Donc, justement, il faut que les gens comprennent que un enfant ne grandit pas le même jour, mais un enfant prend le temps pour évoluer. Et c'est dans le temps qu'on arrive à être différent. Moi, je suis convaincue et je suis sûre et j'ai une certitude que Tata Lolo fera toujours la différence et qu'elle va sortir encore plus gagnante et aller même plus loin. On ne peut que vouloir la salir, mais petit à petit, parce qu'elle aussi, elle commence à être très bien entourée, elle prend de la hauteur. Ouais. Et il y aura de bonnes choses qui arrivent pour elle en 2023. Exactement. Plus ça va, plus elle va prendre de la hauteur et mieux ça ira. Voilà, donc je veux rassurer cette dame en lui disant que madame, ne craignez rien. Parce que votre message, ce n'est pas, c'est un bon, c'est une bonne analyse, mais votre message que vous avez fait passer, Tata Lolo est déjà sur le chemin depuis longtemps parce qu'elle ne gère pas et ça fait mal. Et c'est pour ça qu'on la titille de partout. C'est pour ça que chacun vient sortir son venin. C'est pour ça que chacun a envie de la faire, c'est-à-dire que retomber dans la sanité. Mais non, elle ne veut plus laisser qu'elle se concentre sur son émission et elle évolue. C'est comme ça. Même Michael Jackson, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour le détruire? Donc, c'est pas Tata Lolo qu'on va pas faire pour la détruire. Tu comprends ce que je veux dire? Même Jésus, non. Est-ce que toi, tu parles loin sur Michael Jackson? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Jésus? Je peux te dire que vraiment, Tata Lolo, big up à toi. De toutes les façons, personne ne va te déconcentrer en 2023 parce que c'est ton année. Les Lolo Mania, je vous en supplie, remettez-vous derrière Tata Lolo comme vous étiez avant. Reportez-la en bloc, soulevez-la parce que c'est le moment, elle a besoin de vous. Vous comprenez? Je ne dis pas que vous êtes dispersé, mais revenez en force et construisez votre bloc derrière elle pour que les gens d'en face à qui sachent que, comme on dit, il y a les personnes et les personnalités, les gens et les etc. C'est comme ça là, c'est tout, il n'y a pas autre chose. Voilà. Et il y a les fermiers. Il y a les fermiers comme voilà. Moi. Il y a les rentiers, il y a les fermiers et les frères. Donc, chacun a son level, tu vois. Donc, les rentiers, là, soutenez Tata partout parce que quand quelqu'un se met derrière et vous vous levez en bloc, il faut que chacun ait sa place et qu'on respecte le couloir de chacun. En vrai. Ça, même ma blague, je dis. Tout simplement. Donc, voilà. OK. Bon. Donc, on va aller suivre le direct de Tata Lolo tout à l'heure à 20h. Moi, je suis là-bas, j'ai le choix, maman. On va aller là-bas, la soutenir tous à 20h. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée, une agréable soirée. Et comme je vous dis, je ne vais jamais vous le dire assez, concentrons-nous franchement sur... on va définir les thèmes de l'année 2023 sur l'entrepreneuriat, sur le travail, sur la valorisation du travail et concentrons-nous sur nos objectifs. Fixez-vous des objectifs à atteindre, particulièrement des objectifs au niveau du travail.
Fixez-vous des objectifs et travaillez dur. Il faut avoir le mindset d'un entrepreneur, le mindset d'une boss lady. Fixez-vous des objectifs, vous connaissez les miens. Je dois réussir mon événement en 2023. Quels sont vos objectifs aussi au niveau de votre travail? Donc, fixez-vous des objectifs, travaillez dur pour l'année prochaine et puis essayez d'atteindre vos objectifs. Voilà. Donc, valorisons le travail. Je vous aime, je vous adore. Et arrêtons. Et si on peut arrêter tout ce qui est, tout ce qui détruit l'autre, tout ce qui est... Voilà. En fait, je vais vous dire quelque chose pour terminer avec vous. C'est que les gens qui sont très occupés, plus tu es occupé à bosser dur pour tes objectifs, moins tu auras le temps de chercher à dévaloriser une autre. Voilà. Si vous voyez une personne ici sur les réseaux sociaux qui est toujours en train de détruire les autres, qui est toujours en train de dévaloriser, qui est toujours en train de... Ça veut dire qu'elle n'est pas suffisamment occupée par son travail. Voilà. Elle n'est pas suffisamment occupée par son travail. Parce que toutes celles qui sont vraiment occupées par leur travail, qui se sont fixées des objectifs durs et qu'elles doivent atteindre leurs objectifs dans leur travail, elles n'auront pas le temps. Elles n'auront pas le temps. Elles n'auront pas l'énergie à concentrer sur les faux problèmes. Voilà. C'est ce que je peux vous dire. Voilà. Donc, Amina Idrissou, merci. Merci à tous. Donc, abonnez-vous sur chacune des pages. Hein. Abonnez-vous sur chacune de mes pages. Sur Event, vous vous abonnez. Sur... officiel également, vous vous abonnez. Merci, je vous aime et je vous adore. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Ciao. Ciao.